a conscience avant, on prend conscience après. Rien ne dompte la conscience de l'homme, car la conscience de l'homme, c'est la pensée de Dieu. L'honneur, c'est la conscience, mais la conscience exaltée. Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce lundi pour une nouvelle édition de DBS Matin. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour cette nouvelle édition de DBS Matin. C'est la première du genre de cette semaine. Tout au long de la semaine, d'ailleurs, nous allons continuer à décrypter l'actualité. Et bien sûr, comme j'aime le dire, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, cartésard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Mais puisque nous sommes en début de semaine, nous allons vous souhaiter bon début de semaine. Mes deux mousquetaires sont là ce matin pour l'information traitée par nos confrères de la presse écrite. Mangue Vernacious, good morning and welcome. Good morning Steve and good morning to our viewers this first day of the week. How is it? Steve, we are doing fine. It's the beginning of the week and Steve, permit me to greet a friend. He has always been telling us that he is following us. He is right from Denmark. He's called Mr. Mbilam Samson Jumbam. Depuis le Danemark. Denmark. Oui, c'est bien. Vous savez que maintenant, on est regardé par le monde. C'est important. I'm telling you. Le week-end a été. Steve, the weekend was a relaxing one. It was a good one, you know. The climate was favorable and everything was possible, you know. Non, on peut le dire comme ça. Tout est possible à celui qui croit, en tout cas. Alain Dur, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Je profite pour saluer, vous savez que c'est comme le carburant qui motive les gens à nous regarder ce matin, tous les matins. Il faut souvent leur dire bonjour et je profite pour dire bonjour à une fille qui est très sympathique, qu'on appelle Clémentine, qui nous regarde tous les matins. Et elle me l'a fait savoir, c'était hier. Et donc, il fallait que je le fasse ce matin. Oh, d'accord. Bon, vous voyez que le mec, il pense à Clémentine. Hein? Bon, ben, j'espère également que vous avez des clémentines. Oui, oui, les clémentines, oui, oui, pourquoi pas. Le week-end a été... Oui, vous savez que le week-end, s'il n'a pas beaucoup plu, et donc quand il ne pleut pas, vous avez le privilège de faire des petits tours avec des amis, et puis... Dans le week-end, oui, aller visiter, visiter si ça. Et ça, voilà. Et donc ça s'est bien passé. Sortir également avec les enfants, c'est important. Absolument. J'espère que vous l'avez fait. Non. Tant mieux, messieurs, vous êtes là, nous sommes là également. Mesdames, messieurs, c'est une nouvelle journée de nouvelles informations justement traitées par nos confrères de la presse écrite camerounaise, africaine et internationale. Eh bien, c'est la revue de presse, la première partie, en langue de Shakespeare avec Mangue Vernacious. Monday, September 28, 2020, we begin a review of newspapers this morning from the Guardian, from the Post newspaper on page 5, saying the CPDM scheme to lord over Cameroonians for generations exposed. The Post newspaper says fanning ethnic hatred, demonizing certain people and placing their children in strategic positions will help them return power. But the party's communication scribe says the document is fake. On page 9, the paper quotes Minister Nalova Lyonga saying they are ready to welcome students as the new academic year begins come October the 5th. In the Southwest region, we read that the SDO is in legal scuffle with chiefs over regional election. The paper tells us that Engemba Lido withhold of chiefs Ndeke and Nyayowe's files lands in legal trouble. The paper asks, was Fako SDO scheming to impose his candidate on the traditional rulers? And did Elecam officials connive with the Fako SDO? Answers are in the Post newspaper on our newsstands today. We take the Guardian Post newspaper on page 3, saying, Anglophones weep for newly created NASLA. The paper says the Boya-based National School of Local Administration, though with same status as ENAM and with even more challenges, has been allocated half the budget of the Yaounde School of Administration. In the armed conflict in the Northwest and Southwest region, the paper informs us that a UK clergy called for urgent international intervention.
Then on page 2, the paper tells us, government hints on tough legal action against Kamto, saying arrested MRC supporters will have to face a trial for insurrection. The Star newspaper comes back to evaluating the achievements, shortcomings and expectations of the major national dialogue with Professor Victor Julius Ngo, saying the high aspirations were not met. However, there are still brighter days ahead. And Barrister Felix Nkongo insists that reconstruction is essential as the people must come first. In the inside pages, the paper tells us that Ambazonian soldiers arrest their own commander for exhortation. We have all this in today's edition of the Star newspaper. We take Logidion newspaper that has their interest with journalists trapped in crossfire as they examine the perils of reporting on conflicting in Cameroon. Then on page 4, the paper looks at the digital projects in Cameroon with Paul Biya and his white elephants. The Sun newspaper has decided to shine on the major national dialogue, a mixed bag 1 year on. The paper says war still rages in the northwest and southwest region despite noticeable attempts at meeting grievances, such as the NASLA common law section at Enam and Supreme Court, law on regional and local authorities, the Limbe autonomous ports and others. The papers tell us that still no content for special status. In today's edition, the Sun newspaper takes a reaction of Cameroonians across the board and their editorial team as well. On pages 10 to 11, we remain in the southwest region with Dr. Aja Oro, who persists in another facts-laden missive that the Balondos are Balondo and not Oroko. Then talking about September 22nd incident, the paper says government plans to ban the CRM party and arrest Kamto. Again, we have details on page 2 of the Sun newspaper. Then the Eden newspaper in politics on page 11 says alleged misdeed, threat of legal action precedes regional election. On page 3, the paper says the Bar Council flaws Operation Bermuda Clean method being carried out by the military in the northwest region. We take the News Watch newspaper on page 3 that says authoritatively that government reactivates plot to dissolve the MRC party, saying it is also closely reviewing the situation of the president of this opposition party, Maurice Kamto, who could see his judicial case file revisited. 2020-2021 academic year, the paper says Ambazonia kingmakers okay school reopening, but the paper thinks that children are likely to return to blood-stained empty classrooms. And in the Kumba City Council mayoral tussle, the paper says it is a tough battle for Ngo Onkele as Supreme Court orders election rerun. And the paper tells us that the Meme CPDM party is in calms over the choice of candidate as the population presses hard for change. Then, as court orders election rerun, the Median newspaper looks at what fate awaits Victor Onkele Ngo, saying Kumba councillors to elect new city mayors in 30 days. And Greg Miwano says it is not time for celebration yet, as the force of experience triumphs over youthful exuberance. We have details on page 3 of the Median newspaper. In the inside pages, the paper tells us that after 4 years of shutdown, Amber fighters give a go-ahead for school resumption after all. Then in politics, FACO chiefs drag the SDO to court over flawed investitures. The Horizon newspaper on the major national dialogue resolution implementation 1 year on says government scores a pass mark. The paper on page 6 brings the viewpoint of Barrister Felix Agbombala on the issue. Then on page 2, the paper tells us that Kamto's lawyer is on an international offensive against the Biya regime. Cameroon Insider newspaper focuses on back to school in today's edition, saying there are mobilization for a huge free start as relevant stakeholders have been doing everything in their respective areas of responsibility to ensure that the upcoming academic year unfolds on a clean slate. In sports, the paper says Fekafoot and the LFPC imbroglio continues. After the recent General Assembly of the Cameroon Football Federation, both parties are yet
to find a common ground for the way forward in their dispute over who organizes the Elite 1 and Elite 2 football in Cameroon. Out of Cameroon, we take the Vanguard newspaper in Nixdo, Nigeria, saying the Trade Union Congress in the early hours of this Monday threatened to resume the suspended strike if after 2 weeks the federal government did not follow up with the agreement reached at the end of the joint meeting between the government and the organized labor after about a 7-hour meeting. We go to South Africa with the Sowetan Life newspaper saying the family of a 32-year-old teacher who went missing on her way to work last week says an undisclosed amount of money was withdrawn from her bank account. Dikeledi Sebopetsa, a teacher at Lerale Primary School at Gabarbale Village in Limpopo, left home last Tuesday morning and later requested money from her uncle who made the deposit into her bank account. The paper tells us that her whereabouts is still unknown. The Herald newspaper in Zimbabwe, East of Africa, says public schools open for the examination classes today, with the Ministry of Primary and Secondary Education confirming that all systems are in place for a successful reopening. In Kenya, Nation newspaper tells us counties spent 1 billion shilling on allowances for healthcare workers, COVID-19 committees and county and security officials in the first 3 months of the pandemic. This is contained in the Special Budget Review Implementation Report on the utilization of funds by county governments toward COVID-19 interventions tabled before the Senate Ad Hoc Committee on the COVID-19 situation in Kenya. Then out of Africa, Steve, we take the Moscow Times newspaper in Russia that says Belarusian police on Sunday detained around 200 people as tens of thousands took to the streets in support of protest figures days after the country's strongman president staged a secret inauguration. Steve, these are some of the papers that we could have for today from Papers Home and Abroad this morning. Merci pour toutes ces informations traitées par nos confrères de la presse écrite de langue anglaise. D'ailleurs, ce matin, on va retenir, d'ailleurs pour les journaux camerounais de poste qui connaît le stratagème du RDPC pour dominer les Camerounais pendant des générations. C'est justement l'information à la grande une de ce journal. Le Guardian Post, quant à lui, nous fait comprendre que les anglophones pleurent sur Narsla, nouvellement créé. Eh bien, il se pose pas mal de questions d'ailleurs. Et pendant ce temps, Newswatch, autre quotidien de langue anglaise, nous fait savoir qu'après la manifestation du 22 septembre dernier, eh bien, le gouvernement réactive son complot pour dissoudre le MRC. Toutes ces informations sont à lire, en tout cas, dans ces journaux et quotidiens. J'espère que je m'en sors en anglais. L'occasion pour moi, justement, d'aller voir, justement, les journaux et quotidiens de langue française avec Alain Diok ce matin. Commençons par le magazine Défi Actuel qui bat à son pied de une surenchère vers la solution du MRC. Le journal nous fait savoir que 3 jours seulement après les manifestations du 22 septembre, le porte-parole du gouvernement relève que la situation de Maurice Kamto et celle de son parti sont en examen pour activité attentatoire à la paix. Le quotidien Cameroun Tribune nous fait savoir concernant les marches illégales du MRC que la justice est saisie. Selon le journal, après l'échec du projet insurrectionnel du 22 septembre dernier, le gouvernement, à travers un communiqué signé vendredi dernier, a fait savoir que la tentative du mouvement pour la naissance du Cameroun avait donné lieu à des arrestations. Certains suspects ont été remis en liberté, tandis que d'autres restent à la disposition de l'enquête judiciaire en cours. Les pouvoirs publics se félicitent par ailleurs de l'esprit de discernement des populations et le professionnalisme des forces de maintien de l'ordre. Le quotidien Mutation parle de l'enfer du décor. Selon le journal, le président du MRC est bloqué à son domicile depuis une semaine. Le gouvernement déclare que son cas fait l'objet d'un examen attentif par les instances judiciaires. Le quotidien Le Jour nous indique que ces menaces ont pour but d'arrêter Maurice Kamto et interdire le MRC. Dans un communiqué, le gouvernement annonce ses intentions. Le domicile du leader du MRC, encerclé depuis une semaine, nous fait savoir le journal.
Le quotidien Le Messager parle de séquestration Kamto assigné à résidence. Les leaders du MRC retenus prisonniers à son domicile par une escouade des forces de maintien de l'ordre, Robert Amsterdam, promet de graves sanctions contre le régime. La Voix du Centre, le journal de la francophilie, indique que le mouvement pour la renaissance du Cameroun impute la faible mobilisation du 22 septembre au fort déploiement des forces de l'ordre. Le tribunalaire Le Soir nous fait savoir à sa grande une que dans le Grand Sud, justement, les régionales divisent l'UNDP. Le parti de Bello Bouba est en couteau tiré avec Fédération des sections de Mayoré ayant pour président Célestin Yandal. Paume de discorde pendant que le président de l'UNDP décide que son parti doit aller aux élections régionales. La Fédération des sections de Mayoré du même parti opte pour le boycott dans la région du Nord. Le journal Les Singans s'intéresse à l'électrification rurale avec le centre et le sud exclus d'un financement de 88 milliards de francs CFA. Selon le journal, le gouvernement n'a retenu aucune localité des deux régions parmi les 417 du pays devant être couvertes par le projet d'électrification rurale et d'accès à l'énergie dans les zones sous-desservies du Cameroun financé par le prêt concédé par la Banque mondiale, tandis qu'un rapport d'Eneo présente le Grand Sud comme la zone la plus touchée par les coupures d'électricité. Le journal Écho Matin nous fait savoir qu'en éducation, 600 milliards de francs CFA glanés dans la rentrée scolaire. En tout cas, 10 millions d'apprenants reprennent donc le chemin de l'école le 5 octobre au Cameroun, soit 6 millions pour le cycle maternel et primaire et 4 millions pour le cycle secondaire. Frais de scolarité, examen officiels, les manuels et fournitures scolaires, etc., représentent un gros marché qui justifie justement la concurrence sans merci entre différents opérateurs locaux et étrangers. Direction le Congo avec les dépêches de Brazzaville qui indiquent que Denis Sassou Nguesso réitère la nécessité d'une conférence inclusive sur la crise libyenne. En effet, à la tribune des Nations Unies par visioconférence, le chef d'État congolais et président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, Denis Sassou Nguesso, a donc renouvelé le 24 septembre son ambition de voir convoquer une conférence interlibyenne de réconciliation nationale. En RD Congo, le courrier de Kinshasa évoque qu'en Haut-Katanga, nouvelle incursion des milices Bakata Katanga à Lumumbashi. Les Hushlois donc se sont relevés samedi dernier sous les coups de balle, en tout cas s'attiraient dans tous les sens dans la ville qui a vu sa quiétude être mise à rude épreuve. Le temps de l'incursion de plus de soixantaine de milices nous fait savoir le journal. Au Mali, les dépêches du Mali indiquent que le président de la transition, Mbanda, a prêté serment. En effet, l'officier en retraite ainsi que son nouveau vice-président, le colonel Assimi Goïta, ont prêté serment. C'était vendredi dernier, une double investiture qui a lieu dans un contexte particulier, un peu plus d'un mois après le coup d'État et alors que la CEDEAO n'a pas encore levé les sanctions qui pèsent sur le pays. Direction la France avec le journal Le Monde qui renseigne qu'à Paris a été frappé à nouveau par une attaque terroriste. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'agression survenue vendredi devant les anciens locaux de Charlie Hebdo faisant 2 blessés graves. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'auteur présumé était un ressortissant pakistanais qui assume son geste et affirme avoir agi seul. Le journal Le Figaro parle de l'itinéraire d'un islamiste ordinaire sur l'attaque de Paris alors qu'il bénéficiait de l'aide de l'État et qu'il semblait en voie d'intégration. Hassan, c'est son nom qui a basculé dans le terrorisme. Il assume son geste et la préméditation. Terminons par le quotidien sportif L'Équipe qui titre Pour l'amour du ciel, en parlant justement du cyclisme et les championnats du monde, Julien Alaphilippe a mis un terme à 23 ans de disette française en s'apparant du maillot inséré. Et après donc une course parfaite, le puncheur a donc franchi la ligne
en solitaire avant de succomber à l'émotion. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin, ça coûte simplement 400 francs CFA. Il est bon de le rappeler très souvent à nos téléspectateurs et surtout aux lecteurs. J'aime souvent le dire, quelle belle chose que la lecture. Eh bien, n'oubliez surtout pas d'aller en kiosque ou encore sur votre marchand de journaux pour avoir tous ces journaux et quotidiens camerounais, africains et sans oublier bien sûr internationaux. L'occasion bien sûr de vous informer car la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Messieurs, revenons en tout cas à nos moutons ce matin avec les informations données par nos confrères de la presse écrite. Commençons par The Post qui connaît le stratagème du RDPC pour dominer les Camerounais pendant des générations. Et c'est quoi le stratagème d'ailleurs, Mangé Bernajou? Actually, when I read what the Post newspaper was saying this morning, the paper is denouncing certain acts that is being taken by the CPDM party, and the paper says the idea is to make sure. Gouvernement bien le RDPC. No, the paper insists that it is the CPDM party that is intended to keep Cameroonians, you know, to keep lording over Cameroonians for generations. And the paper says the CPDM strategy that they are using is they are trying to expose, to talk about backbiting, demonizing other people, placing their children in strategic positions to make sure that they keep ruling the people for a number of years. And the paper tells us that the communication scribe of the party is insisting that such an idea is a fake idea. But when you look at what the paper is saying, there has been this ethnic hatred that the party is, you know, promoting, making sure that they put this ethnic group, you know, against this other ethnic group. So as they are doing, the party maintains their whole of the country for generations. That is what the paper, the Post newspaper, is telling us this morning. Donc pour eux, jusqu'à preuve de contraire, eh bien, il faut le dire, les caciques du RDPC, leur rôle le plus primordial, eh bien, c'est de placer leurs enfants à des hautes sphères, dans des hautes sphères en tout cas de l'État. Because that will make sure that they continue. Que dans les générations à venir, yes, bien, they continue their reign. Mais je pense quand même que nos confrères de Post déclarent haut et fort ce matin que ça c'est un fait, que ça va jamais se faire. That was the parce party's qu'on va pas accepter que ce sont encore leurs enfants qui viennent encore nous. No, it is the party's communication scribe, party's communication secretary who is refusing that the party is not, you know, into such kind of act to make sure that they continue ruling because what the paper is doing. C'est toujours qui vont à l'ENAM, c'est toujours qui vont dans correct. Les écoles, when you read the paper, tout ce qui va avec. That is it. When you read the paper, that's what the paper explains, that when you look at the political landscape of Cameroon, you see that each minister makes sure that his child is coming up, you know, from ENAM as a divisional officer, as a governor, as an assistant SDO. They are placing them as ministers. Mais est-ce que c'est tous les membres du RDPC? Parce qu'il y a quand même ceux-là qui ne connaissent pas encore qu'il faut faire ce genre de choses. Maybe, il y a ces conseillers municipaux qui n'ont pas de pouvoir également. Maybe the Post newspaper, what the Post newspaper is telling us, maybe this will be an eye opener for some other members to know that this is what the party is doing and maybe they get into it because you are charged. Également d'accord avec ça, Alain Jog, que jusqu'à preuve de contraire, c'est ce que le RDPC a comme stratagème pour que bon leurs enfants continuent à dominer dans les dans les années à venir, même après eux. Je ne suis pas très d'accord avec ça. Très d'accord, pourquoi? Parce que... Très d'accord avec le stratagème ou pas très d'accord avec l'information? L'information, l'information. En tout cas, pour moi, je pense qu'il faut essayer de... Nous avons une mission d'éducation. Nous devons informer les gens d'une autre façon. Il faut dire aux gens que ce n'est pas le fait d'aller à l'ENAM qui fait de toi quelqu'un de bien. Si vous... les dernières statistiques des États-Unis d'Amérique, ils ont, en 2019, ils ont 4 000 milliardaires. Les 4 000 milliardaires, il y a 20% qui ont le niveau doctorat. Et il y a également d'autres 20% qui ont relativement un niveau moyen. Les autres, ils ont appris dans le tas. Il faut dire aux gens, d'entreprendre, c'est tout. Il ne faut pas toujours attendre qu'on doit aller à l'ENAM. On doit aller à l'ENAM pour être quelqu'un dans ce pays, non. Ça veut dire qu'on peut faire quelque chose même si on ne va pas à l'ENAM. Maintenant qu'on est à l'école, on peut créer justement son entreprise. Oui, on peut créer son entreprise. Il faut que les gens changent le logiciel. Encore que... À chaque moment, on ne fait que parler de ça. La malgouvernance, et tout ça, on parle. Mais le problème, c'est que lorsqu'on revient toujours à l'élection, que ce soit quelle élection, c'est toujours le RDPC qui gagne. Et ça ne fait pas réfléchir les hommes politiques. Le raccourci, c'est qu'ils ont triché les élections. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut changer le logiciel. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut faire autrement. Et ça s'exprime aux élections. Quand vous prenez le raccourci, vous dites simplement que, ok, c'est parce que les gens là ont triché, c'est pour ça qu'ils sont là. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à résoudre le problème. Et depuis des années, c'est comme ça. C'est le même discours tout le temps. Et ça ne change pas. Jackson, you are shifting, Jackson, you are shifting the goalpost in this argument. Because, you know, if they have been crying that the CPDM party is not,
you know, operating in the normal norms as it is supposed to be, it is because of these positions that they have placed. Because they know you cannot, you cannot fail your father. You cannot, you cannot betray your father when you are the one sitting there. Your father makes sure that before he leaves, you already occupy a position of responsibility. Oui. And once you come there, you are obliged to reason in the same manner as your father was reasoning. That is why this paper is complaining today that CPDM is making everything possible to keep loading on Cameroonians for generations. It's not like they are saying that the CPDM is cheating or they are not cheating. No, the problem is they are identifying the strategy. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je dis que tout le monde ne peut pas avoir les moyens d'envoyer leurs enfants à l'ENAM. C'est pour ça qu'on doit inviter nos jeunes frères d'entreprendre. Entreprendre, justement. On vous a compris parfaitement. Mais jusqu'à peu près, c'est ceux qui sont nantis qui envoient leurs enfants à l'ENAM. Merci beaucoup, Alain Diok. Mais il faut bien... Everybody goes to NAM, hein? Merci, merci pour toutes ces informations. On va dire d'ailleurs que, ben, jusqu'à preuve de contraire, tous les parents ont besoin de placer leurs enfants, peu importe qu'ils soient du RDPC ou bien alors, je ne sais pas moi, du SDF. Tous les parents, même vous, vous avez besoin que vos enfants deviennent déjà demain. Steve, that's what should be, Steve. Hein? That's what should be. That voilà. every Cameroonian child tout could go to NAM. Besoin, but what is the reality? Do they go to ENAM? Can you and I ce n'est pas toutes les personnes qui vont aller à l'ENAM qui seront justement de grandes personnes demain. Il ne faut pas également l'oublier. The problem is not going. The problem is having access into ENAM. On vous a compris. Messieurs, terminons rapidement avec The Newswatch qui nous faisait comprendre ce matin d'ailleurs qu'après les manifestations du 22 septembre dernier, le gouvernement réactive son complot pour dissoudre le MRC. Et d'ailleurs, si on part regarder tout, il faut le dire, hein, toutes les informations traitées par nos confrères de la presse écrite ce matin, on revient toujours à la même information. Mutation nous parle de l'enfer du décor. En parlant justement de Maurice Kamto, le jour parle de menace, arrêter Kamto et interdire le MRC. Le messager parle séquestration, Kamto assigné à résidence. Et pendant ce temps, Cameroun Tribune nous dit marche illégale du MRC, la justice est saisie. Oui, je suis entièrement d'accord. Mais il y a une chose que je dénonce tout le temps sur ce plateau, l'hypocrisie. C'est-à-dire, nous vivons dans un monde où les gens sont tellement hypocrites qu'on n'arrive pas à comprendre. Je crois que le gouvernement a passé toute une semaine à communiquer sur les manifestations du MRC. Et puis, il y a des gens qui disaient que oh, la peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Oui, il y a les libertés, mais les libertés sont encadrées. Il faut qu'on dise ça aux gens. C'est pas parce qu'il y a la liberté de marché que vous devez extrapoler ou bien vous devez faire ce que vous voulez dans un pays parce que la société est organisée par des lois. Et pendant ce temps, des claques qui vont le soutien de la France. Hein? Oui, mais il ne faut pas faire comme si c'était un acharnement contre quelqu'un. Non, il faut simplement dire aux gens que nous devons être républicains. Si vous voulez marcher, bon, c'est votre bon droit. Mais maintenant, ça doit être encadré par une marche, par justement les règles qui régissent la société. C'est de ça qu'il est question. Or, quand les gens sont là, ils disent que la peur a changé de cas, alors qu'on a passé tout le temps à dire que, écoutez, nous ne voulons pas. Et puis, le moment n'est même pas choisi. Pour moi, je pense que le moment n'est pas choisi de faire ces marches. On peut le faire. Mais le Cameroun est presque en ébullition. Et puis les gens s'amusent, ils font comme si, je ne sais pas, on pouvait laisser, j'entends les gens parler de ça avec beaucoup de légèreté, bon, on peut laisser les gens marcher. Mais que ces gens-là viennent signer, que s'il arrive quelque chose, ils seront responsables. Ok. Merci beaucoup. Comme si ils ne voient pas des situations. Alain Diok, merci pour vos réactions. Jackson, that is true. That is true. When I listened to what people started saying from last week, it was a clear indication that after the 22nd of September, there was a total failure of this projected, much heralded manifestation of the 22nd of September. And if because when you listen to what the government spokesperson said in his communique, he said Cameroonians respected the call to boycott the manifestation. If Cameroonians respected the call to boycott the manifestation, it was a failure. I think that going in again to, that is my opinion, going in to dissolve the MRC party is the trigger, they want to trigger. On n'en est pas encore là. That is what the paper is saying. Government is saying that they are looking forward to dissolving the MRC party. That is triggering again another conflict because, in my opinion, if Cameroonians refuse to adhere, if Cameroonians refuse to participate, it means Cameroonians are intelligent. They have understood that it is not the right thing. We would have allowed it. And if the MRC persisted, Like they were saying that they are. Je pense que les Camerounais sont assez intelligents. Ils ont compris d'ailleurs que le 22 septembre dernier, il ne fallait pas sortir justement dans les rues. Bon, aller jusqu'à dissoudre le MRC. C'est même pas nécessaire. That is the point. That is my point. C'est pas nécessaire. Messieurs, on vous a compris parfaitement pour cette édition de votre revue de presse. Au plaisir de vous retrouver demain. Je vais vous souhaiter bon début de semaine ou bonne semaine.
Bon début de semaine. Alors là, bonne semaine à vous, hein, messieurs. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle participation pour la revue de presse. Mes invités sont là ce matin pour le thème, et je vous rappelle d'ailleurs le thème ce matin, Afrique. L'OMS cherche à comprendre pourquoi le continent noir est moins touché par le Covid-19. D'ailleurs, il y a eu une conférence de presse à ce sujet il y a quelques jours encore, c'était jeudi dernier et vendredi. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, je salue mes copanélistes, je salue toute la grande famille de la matinale de DBS, je salue tous les testateurs qui nous regardent sur le continent africain et en dehors, je salue le monde. Mon coup de gueule de ce matin, c'était l'une des recommandations fortes, n'est-ce pas, du grand dialogue national qui s'est tenu l'année dernière du côté des Yaoundé, notamment la pratique du bilinguisme dans l'espace public camerounais, notamment au sein de l'administration. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont tenu parole quelques temps après, mais aujourd'hui on se rend compte que dans la communication gouvernementale, ou bien dans l'activité gouvernementale d'une manière générale, la plupart des documents sont signés uniquement dans la langue de Molière, et très peu signent ces documents, je veux dire, élaborent documents dans les deux langues que connaît le Cameroun. Alors, est-ce que finalement la pratique inclusive du bilinguisme, c'est un concept, ou alors c'est une véritable politique qui devrait justement magnifier notre diversité culturelle. On vous a compris d'ailleurs avec votre coup de gueule ce matin. Patient Parfait, donc bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à l'homme au triple A, c'est un acte fabrique déjà, et à tous nos nombreux téléspectateurs à travers l'Afrique, le Cameroun en particulier. Un bonjour particulier à ma mère, maman Marie-Yvonne Chouin, ancien professeur à la retraite, fan de DBS, à qui de côté de Yaoundé, Katien Colmessin, à qui j'adresse un chaleureux bonjour ce matin. Messieurs, bienvenue en tout cas à vous, hein, patient Parfait d'Homme, pour cette matinale de ce lundi 28 septembre de l'an de grâce 2020. Olivier Svor Nembe, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, bonjour à mes copanélistes, bonjour, un bonjour spécial à Bekone Madeleine qui nous suit du côté d'EDEA et qui a promis de rester désormais scotché sur DBS parce que, bon, elle me sait commentateur de cette chaîne. C'est un plaisir de retrouver tous les téléspectateurs et bonne semaine à tous. Bonne semaine également à vous, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, voici le débat. Le sujet qui nous intéresse ce matin, Afrique, l'OMS cherche à comprendre pourquoi le continent noir est moins touché par le Covid-19. À ce jour, plus de 1,4 million de cas de Covid-19 ont été répertoriés sur le continent africain et près de 35 000 personnes sont mortes à cause du coronavirus. Selon l'Africa CDC, Centre de prévention et de contrôle des maladies de l'Union africaine, c'est peu en comparaison des autres continents. L'Organisation mondiale de la santé organisait d'ailleurs le jeudi 24 septembre dernier, une conférence de presse pour détailler les premières pistes de recherche. Nous allons nous interroger pourtant pour tenter d'expliquer cette situation. Que veut savoir cette organisation? Quel était le plan initial contre l'Afrique? Est-ce de manière délibérée que les instances de la santé mondiale ont créé le virus pour détruire les familles entières? Nous nous interrogeons. Au départ, les perspectives étaient mauvaises. Les analyses envisageaient des millions de morts sur le continent africain, qui compte une majorité de pays pauvres, au système de santé faible. Mais plus de 6 mois après le premier cas en Afrique, les ravages attendus ne se sont pas produits et le nombre de cas diminue dans la plupart des pays. D'ailleurs, quand on parle du Cameroun, aujourd'hui, à ce jour, l'un des meilleurs pays en matière justement de guérison. Après avoir comparé le code génétique de plusieurs échantillons de SARS-CoV-2 en Afrique, il apparaît que le virus est semblable à celui qui circule en Europe. Les scientifiques écartent donc la possibilité d'une souche africaine moins dangereuse. Alors, comment expliquer que le continent africain échappe en grande partie à la pandémie? C'est la question qui était en tout cas au centre des discussions de cette conférence de presse le 24
septembre dernier. On parle bien sûr de l'OMS. Les mesures de confinement strictes ont été adoptées très tôt dans la plupart des pays d'Afrique et cela a certainement aidé à garder le nombre de cas très bas. Comme le fait que les pays africains ont déjà l'expérience de nombreuses maladies infectieuses, comme le paludisme ou encore Ebola, malgré les systèmes de santé défaillants. Mais il y a d'autres raisons pour expliquer la particularité africaine. Quelque part, nous dirons que l'Occident connaît très mal l'Afrique, car justement, après le démarrage de cette pandémie, eh bien, tout le monde est rentré aux sources. Et quand on parle des sources, il a fallu parlement... apparemment beaucoup de temps, ça il faut le dire. Et même si les données cliniques et sociologiques sont encore parcellaires, les chercheurs estiment que la situation en Afrique s'explique par une combinaison de multiples facteurs. Et bien, quels sont ces facteurs? Nous allons justement nous appesantir sur ces questions ce matin. Le temps pour moi de dire bonjour à Edmond Kouaté. Bonjour Edmond Kouaté, bienvenue à vous. Bonjour Steve. Le week-end a été? Ouais, ça va. On a pu faire ce qu'on pouvait. Voilà, on est debout ce matin, on dit merci à Dieu. Gloire à Dieu. Bonjour également à tous ceux qui m'ont précédé sur ce plateau. Messieurs, vous avez bien suivi cette conférence de presse de l'OMS jeudi dernier. Eh bien, justement, il se pose des questions. Comment est-ce que l'Afrique a pu résister au coronavirus? Pourtant, c'est la même source qui tue des milliers, des millions de personnes en Occident. Patient parfait d'homme. Non, c'est une question qui est, à mon sens, un peu bizarre dans la mesure où, c'est vrai, nous sommes tous des êtres humains. Oui. Et face aux attaques extérieures, nous sommes assujettis à la même difficulté. Mais ce que je trouve bizarre dans l'attitude de l'OMS, c'est que en fond, bien filigrane, leur question pose une autre question, bien révèle une déception. Oui. Peut-être que ce sera attendu qu'en Afrique, que ce soit vraiment des coupes claires qui soient faites au sein de notre société avec l'apparition de ce virus. On a beau dire qu'il y a des thèses complotistes qui sont chuchotées par les Africains, mais on ne peut pas ne pas se poser des questions. C'est pas extraordinaire. Ces gens-là, avec cette affaire-là, n'avaient pas prévu justement l'hécatombe ou bien un tsunami de mort au niveau de l'Afrique. J'avais lu il y a cela plusieurs années un livre important d'un auteur qu'on nomme Suzanne Georges. Et le livre s'intitule Le rapport Lugano. Je demande à tous nos téléspectateurs qui peuvent le lire. Je le connais très bien. Voilà. Et ce livre, en réalité, dans l'un de ses chapitres importants, nous parle de la création, par exemple, du virus du VIH. Il est presque affirmatif pour dire que cette affaire a été créée dans le laboratoire, dans le cadre de la fameuse guerre bactériologique qui se livre entre eux. Et on l'a testé pour la première fois dans une base militaire américaine qui se trouvait à l'est de la République démocratique du Congo. Effectivement. Malheureusement, parmi les soldats américains qui s'y trouvaient, il y avait des sujets homosexuels. Et ces sujets-là ont été les premiers à être contaminés. Et c'est eux qui vont donc ramener la maladie au niveau des États-Unis. Et ça va faire des dégâts très importants dans le milieu gay. C'est à ce moment que le monde occidental va commencer à s'intéresser au VIH. Sinon, dans un premier temps, il était fait pour décimer complètement les Africains. Oui. Depuis les années 70, le Sénat américain, dans des rapports qui existent, dit que le monde, la population mondiale pose problème. Il faut la réduire drastiquement pour continuer à permettre ce que j'appelle happy few, dans ceux qui sont de continuer d'avoir le niveau de vie qui est le leur sans qu'il y ait des interférences d'une population qui n'aurait pas calibré qui rentrerait en jeu. Et comme toujours, on commence toujours par les esclaves de tous les temps, dont les Noirs. Ils n'avaient pas vu venir les Chinois et les Indiens aujourd'hui qui sont aussi en train de leur poser pratiquement les mêmes types de problèmes. Alors, ceci étant dit, je pense que les responsables de l'OMS ne se sont jamais vraiment intéressés à l'Afrique. Ne se sont jamais intéressés aux solutions que l'Afrique avait apportées avant le contact que l'Afrique a eu avec l'homme blanc. Comment vivaient les Africains? Quelles étaient les solutions qu'ils avaient sur le plan médical quand ils avaient des attaques extérieures que j'appelle les maladies? Comment fonctionnaient-ils? Est-ce qu'avec l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, toutes ces recettes-là ont été complètement éliminées? Je pense que non. C'est ça la grosse faute de l'OMS, premièrement. Deuxièmement, il y a le fait que
La plupart des Africains de notre génération, je pense que la vôtre aussi, sont passés par plusieurs étapes de feu. Moi, j'appelle ça des étapes de feu. Pourquoi? Parce qu'on est des types de maladies qui ne se retrouvaient nulle part dans le monde que chez nous. Oui. On a eu, par exemple, une maladie ici qu'on appelait un paludisme qu'on appelle le marteau. Nous sommes passés par là, cette épreuve de feu, on l'a vaincu. On a eu les Kwasa-Kwasa, nous sommes passés par là. Nos frères des Antilles ont développé, à l'aide d'un petit moustique, un autre type de palud qu'on appelle le chikungunya. Ils ont survécu. Nous avons eu d'autres types de maladies, dont les récentes sont par exemple Ebola, oui, qui a fait quand même des dégâts importants, mais nous avons pu réussir à nous en sortir. On s'en est sorti, autant pour moi, mais c'est parce que nous avons trouvé des solutions endogènes à cela. Moi, je me trouve à un moment donné, quand le marteau faisait rage, ou d'autres l'appellent aussi Bakassi, faisait rage ici chez nous, mais on nous apportait des décoctions à base d'écorce d'un arbre qu'on appelle vulgairement cormode, et qu'on injectait matin, midi, soir pour nous en sortir. Est-ce que ces gens-là sont venus voir ce qu'il y avait dans cette pharmacopée traditionnelle qui a vraiment fait ses preuves? Premièrement, oui. Moi, quand le corona a commencé, surtout avec la psychose qu'elle a déclenchée, je suis rentré dans ma forêt pour ne pas me rester de la forêt. Je ne vais pas le dire ici. Peut-être que l'OMS m'écoute. Et ça m'a beaucoup aidé, premièrement. Deuxièmement, il y a l'environnement dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un environnement particulier qui n'est peut-être pas aseptisé comme leur environnement. Nous avons aussi un taux d'ensoleillement qui est extraordinaire. Nous avons une peau noire avec ce bonus de mélanine que eux n'ont pas. Vous ne pouvez pas penser que tous ces atouts que nous avons ne vont pas participer d'une certaine manière à former un bouclier de protection contre certaines agressions extérieures. Je veux parler des maladies. Oui. Bon, donc il y a cela. Mais il y a aussi le fait, il faut le dire, que quand chez nous, quelqu'un, par exemple, quand on était petit, quand tu attrapes les oreillons dans une maison, oui, à la seconde, presque tout le monde aura ses oreillons. Plus tard, cela va permettre à avoir une espèce d'immunité collective au sein de la maison contre cette maladie. Peut-être que, comme nous sommes encore des sociétés plus ou moins avec des comportements grégaires au sein de nos familles, peut-être que cette possibilité d'une immunité collective a été aussi pour quelque chose. L'homme africain n'est pas aussi individualiste que les autres. Bon. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs comme ça qu'on peut avancer, sans oublier la jeunesse de notre population, qui ont peut-être contribué à nous protéger, soit je peux appeler ça, ou bien à ne pas avoir les dégâts escomptés par les gens de l'OMS. Je reviens toujours au sida. Oui. Vous avez entendu parler, par exemple, du concept des couples sérodiscordants. Oui. C'est en Afrique qu'on a commencé à découvrir des choses pareilles. C'est-à-dire, je suis malade, je suis une personne vivant avec le VIH, mon épouse pas, j'ai des rapports normaux, sans aucune protection avec mon épouse, elle n'attrape pas, elle ne contracte pas la maladie. Ça, c'est seulement en Afrique qu'on a vu ça. L'histoire de prostituées kenyanes, comme on l'appelle, qui continuent de mener leur activité normalement, sans aucune protection, et même avec des sujets. On avait découvert justement qu'ils avaient la provitamine D. Voilà, qui étaient des personnes vivant avec le VIH, excusez-moi, ces prostituées n'ont jamais contracté la maladie. Donc, il y a des situations comme ça, où la science, parce que c'est en Afrique, la recherche n'est pas intéressante là-bas. Il faut faire des recherches pour régler les problèmes qui se posent en Occident. Ils ne font pas de recherches pour comprendre cette forme de résistance des Africains par rapport à toutes ces agressions extérieures. C'est pour cela que peut-être ils sont très étonnés. Et je dis et j'insiste, du Tchad, je ne sais pas, jusqu'au Sénégal, un peu partout. Regardez le matin, les gens, ils ont le type, les sortes de tisanes, les chais là, où on met tout, et les clous de girofle, et des recettes incroyables. Tous ces trucs là, comme votre truc de Covid là, c'est une grippe, participe justement à constituer des barrières pour ne pas permettre à cette grippe-là vraiment de créer les dégâts les plus importants dans nos organismes. Donc, à ces messieurs de l'OMS, continuez de faire les recherches. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Que chez nous, les bébés, quand il y a des types de maladies, quand ça ne va pas, on prend le bébé, on met sur une clé,
avec nos herbes qui chauffent. Et puis on sort de là, on remet dans l'eau bouillante, le bébé n'est plus malade. Il y a beaucoup de recettes dans notre pharmacopée. Donc vous aurez peut-être intérêt à bien négocier. Et ça me permet d'ouvrir la page maintenant pour nous, les Africains nous-mêmes. En dehors de la République démocratique du Congo, peut-être légèrement du Nigeria, nos responsables, nos ministères en charge de la santé n'impliquent pas beaucoup ceux qui font la recherche dans la pharmacopée traditionnelle, dans la recherche des solutions pour guérir certains types de maladies, jusqu'au cancer. Ils ne les impliquent pas assez. Ce qui est mis comme budget de recherche dans ce domaine-là est quasi nul. Les gens font ces recherches-là avec les moyens de bord. Donc je pense que l'occasion pour nous est enfin donnée pour que les ministères et les gouvernements essaient de commencer à s'intéresser à ces questions de pharmacopée traditionnelle. Bien sûr, il faudra maintenant que les process soient des process qui soient suivis de manière, j'allais dire, rationnelle, pour qu'on ne soit plus non plus dans l'embryomanie, parce qu'on a vu des vertes qui n'étaient pas mieux même sur votre plateau pendant cette période. Chacun venait avec sa solution, et là-dedans, il n'y a pas que des gens qui ont vraiment des solutions. Tu sais, on dit que la nature aurait du vide à partir du moment où rien n'est encadré, et les charlatans et les professionnels, tout le monde rentre là-dedans pour essayer de soi-disant apporter une solution. Et les gens s'enrichissent avec un, pour le dire. Donc, moi, je pense qu'à nos gouvernants, il faut aussi commencer à lorgner du côté de la pharmacopée traditionnelle, qui a certainement des solutions qui ne sont pas des solutions, j'allais dire, rationnelles de la médecine moderne. Donc, il faut qu'on soit, enfin, qu'on marche sur nos deux pieds. Oui, d'accord, on est d'accord de continuer à faire de la recherche sur le plan moderne, à continuer à avoir nos enfants, n'est-ce pas, à domestiquer ces sciences modernes-là. Mais n'oubliez pas que l'autre côté, c'est une science. Mais de l'autre côté, il ne faut pas qu'on jette comme ça en pâture tout ce patrimoine, n'est-ce pas, de notre pharmacopée traditionnelle qui est extrêmement importante. Mais quand on voit la coupe, les coupes qui se font dans nos forêts, quand on regarde avec quelle cadence, c'est-à-dire avec quelle vitesse, nous sommes en train de détruire complètement nos forêts aujourd'hui en Afrique, on peut bien valablement se poser la question si cette idée-là intéresse nos gouvernants d'aujourd'hui. Monsieur, on va revenir avec vous dans un instant. Je vais vous faire voir cette vidéo. Vous allez peut-être sourire un peu, mais pour comprendre également que de l'autre côté, justement en Occident, eh bien, on commence à respecter justement cette pharmacopée africaine. Je suis allé partout, en Espagne, en Italie, tout là où il y avait les gens de le corona. J'ai vu ça. On n'a même pas touché une fois. Quoi? Anti-corona, monsieur. Il ne faut pas nous tromper. Voilà, c'est ça. C'est bon, hein? Mario, toi aussi. Juste pour vous faire sourire, hein? Juste pour vous faire sourire ce matin. Edmond Kouaté, pourtant, on a vu justement la sortie, il faut le dire, hein, des responsables de l'OMS qui déclaraient haut et fort, eh bien, l'Afrique va justement succomber à cette pandémie. Eh bien, il y aura des millions et des millions de morts. Voilà ce qu'on avait prédit, en tout cas, pour l'Afrique. Et on avait l'impression, justement, que le coronavirus avait été créé, justement, pour décimer tous les Africains. Ce n'est pas la première fois que l'Afrique fait l'objet de telles déclarations. Oui. Ce n'est pas la première fois. Je vais dire à patients qu'il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Effectivement, à chaque fois que nous essayons de ramer à contre-courant de la doctrine occidentale, on nous traite de complotistes. Eh bien, je suis très à l'aise ce matin pour dire je suis très complotiste si... La définition de complotisme veut dire questionner un peu la profondeur des choses, demander le pourquoi des choses. Et bien, ceux qui pensent que nous sommes complotistes, je veux leur dire que le monde, dans son ensemble, n'est qu'un vaste complot. Lorsque les gens se sont réunis à Berlin pour diviser l'Afrique, c'était un complot. Oui. Lorsque les gens ont décidé de venir prendre des êtres humains que nous sommes comme des marchandises pour aller vendre à la criée, c'était un complot. Lorsque les gens se sont réunis pour venir en Afrique nous coloniser, nous spolier, nous piller, nous soumettre à la vexation, c'était un complot. Et jusqu'à aujourd'hui, lorsque l'Afrique n'arrive pas à trouver son chemin, lorsque l'Afrique essaye de végéter comme ça, dans cet océan de théories qu'elle ne comprend pas très bien, c'est encore un complot. Et je voudrais dire à ces Africains que quelqu'un lève le doigt pour me dire, l'Africain qui était présent
lorsqu'on décidait de décrire la charte de création, la charte qui fonde l'OMS, quel Africain était présent? Et donc tout ce qui se fait sans vous se fait contre vous et c'est un complot. Il faut que les Africains le sachent. Quel est l'Africain qui a participé à la charte, n'est-ce pas, fondatrice de toutes ces grosses organisations, l'OMC, l'ONU, qui a décidé des critères qui fait que vous soyez membre du Conseil de sécurité avec droit de veto ou pas? Est-ce que ça, c'est pas un complot? Pourquoi est-ce que nous allons subir les autres? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique n'a pas, n'est-ce pas, voix au chapitre au Conseil de sécurité, mais nous subissons tous les jours les résolutions du Conseil de sécurité? Quelqu'un s'assoit quelque part, ou deux ou trois personnes s'asseyent quelque part, écrit toute une résolution qui s'applique à tout un continent, à un milliard de personnes. Et on dit, ah non, il ne faut pas être complotiste. Non, c'est un complot. L'Afrique, le monde entier, c'est un complot. Et dans ce complot, il n'y a que l'Africain qui n'est pas impliqué. Il n'y a que l'Africain qui est mis à l'écart. L'Afrique subit et l'Afrique n'y participe jamais. Oui. C'est pour ça qu'il a toujours l'impression que les Africains... Et moi, j'ai un problème avec ceux que vous appelez les intellectuels africains. Ceux-là que moi j'appelle les dépotoirs de la pensée résiduelle occidentale. Qui, parce qu'ils ont assimilé quelques théories, viennent ici brailler, bassiner les oreilles des gens et vous tiennent des gros discours. Et après, quand vous dites quelque chose qui ne va pas dans le sens des doctrines qu'il a reçues, il vous dit non, vous êtes complotiste, vous êtes populiste. Il vous sort des terminologies comme ça là. C'est ça le problème. Non mais attends, lui il vient de faire mention du rapport Lugano, que je connais très bien. Mais à côté de cela, patient, il faut citer le rapport de la CIA en 2015 qui disait avec exactitude quand est-ce que, n'est-ce pas, ce virus allait se mettre en place. C'était en 2015. Et il disait dans son rapport, il y a eu deux rapports de la CIA comme ça, qui prévoyaient justement l'émergence de cette maladie, Strascov 2, parce que Strascov 1, c'était en 2002. Strascov 2, il prévoyait justement Strascov 2 en 2020. Et c'est effectivement en 2020 que nous avons eu tout cela. Lorsque vous voyez tout ce qui s'est passé avant, n'est-ce pas, la survenance de cette maladie, notamment avec l'installation de ce grand laboratoire en Chine avec le concours, n'est-ce pas, de la France, ce grand laboratoire, n'est-ce pas, de Yuan, avec la collaboration de la France, notamment la décision d'interdire, n'est-ce pas, certains médicaments, et tout cela, c'est un vaste complot. Oui. C'est un vaste complot. Et l'Africain continue de subir ce complot-là et sans jamais se poser les questions. En 2002, patient, l'OMS fait un rapport dans lequel il dit que la population mondiale est trop élevée et qu'il faut trouver tous les moyens pour diminuer la population mondiale d'au moins 60%. Imaginez-vous, prenez la population mondiale qui aujourd'hui est de 7 milliards 8. Faites moins 60%. Vous me dites ce que ça donne. On diminue ça comment? Et ils ont défini des théories telles que le soft killing. Vous savez ce que c'est que le soft killing? Ça veut dire que non, il ne faut plus aller bombarder les gens, tuer les gens avec des armes. Il faut qu'ils meurent tranquillement dans leur lit, justement avec des choses comme le Covid. Non, on va injecter des trucs comme ça et puis les gens vont mourir doucement. C'est ce qu'ils appellent le soft killing. Les Africains qui nous traitent de complotistes là, est-ce qu'ils peuvent nous dire ce qu'on appelle le soft killing? C'est une théorie qui est bien élaborée et qui est en cours d'opérationnalité. Est-ce que cela peut nous dire comment est-ce que monsieur, est-ce qu'ils peuvent nous parler des activités du groupe Bilderberg? Est-ce qu'ils peuvent nous parler de ça? Est-ce qu'ils peuvent nous parler des activités, n'est-ce pas, de la fondation Bill et Melinda Gates, qui a fait de la vaccination son leitmotiv, son cheval de bataille? Mais quelle vaccination? Est-ce qu'on peut nous parler de ça? Non, ce n'est pas l'OMS qui a un problème contre les Africains, patients. C'est les Africains qui ont un problème avec eux-mêmes. C'est-à-dire que nous, voilà un continent où les gens ont décidé de subir tout simplement, d'être agis sans jamais agir. Et lorsque parmi eux, quelqu'un réussit à poser la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe, nous, on le traite de complotiste. On trouve toutes les terminologies
pour le réduire, pour le ridiculiser et le tourner en bourrique. C'est de ça dont il est question. La médecine moderne. Oui. Mais écoute, qui a défini les égrégores de la médecine moderne? Quand vous formez quelqu'un, vous dites qu'il est médecin en ceci. Est-ce qu'il connaît le substratum de la médecine moderne? Qui connaît le substratum de la médecine moderne? On vous donne quelques théories, on vous dit, bon, si vous voyez quelqu'un qui présente tel symptôme, faites des examens, c'est que, si ça donne ceci, ça donne cela, prescrivez-lui cela. Voilà tout ce que c'est, voilà tout ce que nos médecins savent faire. Eh bien, patient pour te dire, effectivement, je suis d'accord avec toi, la question qu'ils ne se sont pas posée, il y a 200 ans, cette médecine n'existait pas, même en Europe, parce que la médecine dite conventionnelle n'existe que depuis, n'est-ce pas, le 19e siècle. Mais avant, on faisait quoi? On vivait de quoi? Puisqu'aujourd'hui, pour ces médecins, dire quelque chose à l'encontre des théories ou des concepts de la médecine moderne, c'est, n'est-ce pas, attirer sur soi tous les courroux du monde entier. Mais il y a 200 ans, on faisait quoi? On vivait comment? Et même, la substance même de la médecine moderne arrive en Afrique. En quel moment? Comment est-ce que nous avons fait pour vivre? Comment est-ce que nous avons survécu à toutes ces menaces? Comment est-ce que nous avons fait pour être ce que nous sommes? Eh bien, c'est parce que, je vais vous dire, comme patient l'a dit, c'est parce que nous savions lire la nature. C'est parce que nos parents savait aller en brousse, observer les animaux, voir ce qu'ils mangent, voir comment ils vivent, et puis prendre les mêmes herbes. Et ça marchait. Jusqu'aujourd'hui, ça marche. Je vous dis une chose, beaucoup de gens ne le savent pas. J'ai beaucoup d'amis médecins. Ils passent toute la journée à prescrire des médicaments, mais quand lui-même se sent mal, il court rapidement chez un naturopathe et il prend une potion. Il vous dit, c'est un jour mon médecin me dit, je suis souffrant, je vais voir mon médecin. Il me dit, Edmond, attention, il ne faut pas trop prendre les antibiotiques. Je lui dis, mais doc, c'est quoi ton problème? Et c'est lui qui me fait la révélation, qui me fait froid dans le dos. Il me dit, l'antibiotique met 8 mois dans le corps avant de sortir. Et il me dit, si tu as des cumuls dans le corps, ça va te causer des problèmes rénaux. Ça va t'abîmer les reins. Je mets les mains sur la tête. Il me dit, il faut faire très attention à ces choses-là. C'est un médecin qui me dit, c'est mon médecin qui me dit. Il me dit, l'antibiotique met 8 mois dans le corps pour sortir. Vous vous rendez compte? Et donc, voilà, moi, depuis un certain temps, moi, je suis, moi, à la pharmacie naturelle. Bon, ben, les gens essayent d'appeler ça avec des noms un peu rebarbatifs, médecine indigène. Moi, j'ai dit, je suis à la pharmacie je vais dire naturel. Pour moi, j'appelle ça comme ça. Parce que lorsqu'on s'en va cueillir quelques herbes, pour faire des potions, des décorsions et autres, moi, j'appelle ça de la pharmacie naturelle. Et puis, même ce que vous dites médecine conventionnelle, ce n'est qu'un dérivé, ce n'est qu'un un dérivé synthétisé, n'est-ce pas, de la pharmacie naturelle. Et donc, pharmacie naturelle, oui. Voilà. Et donc, moi, je suis à ça. Mais il me semble pas, quand vous avez pris cette histoire, même si vous buvez 2 litres, on vous dira jamais qu'il y a de l'overdose. Parce que si vous buvez, si ça ne soigne rien dans votre corps, ça sortira, ce sera comme un légume que vous avez mangé. Ça sortira tout simplement et ça s'en ira. Mais si vous comptez le nombre de personnes qui décèdent tous les jours à cause des erreurs médicales, je vais dire dans les grands hôpitaux, si vous comptez, malheureusement, chez nous, il n'y a pas de suivi. Et donc, quand les gens arrivent à l'hôpital, on leur prescrit des choses, ils se mettent seulement à boire, et après, ils meurent. Personne ne dit pourquoi ils sont morts. Et donc, moi, j'ai dit, l'hécatombe qui avait été prévue en Afrique, par rapport, justement, nous avions tout suivi à l'époque, n'est-ce pas, les déclarations du secrétaire général de l'OMS, il prévoyait qu'il devait avoir l'hécatombe. Effectivement, nous n'avons pas de structure sanitaire, nous n'avons pas, n'est-ce pas... Nous sommes des pays pauvres, c'est d'ailleurs ce qui avait été souligné, hein. Effectivement, pays pauvres, n'ayant pas de dispositif sanitaire à même de pouvoir accueillir, n'est-ce pas, un nombre important de malades et tout cela, effectivement. Mais rien de tout cela n'est arrivé en Afrique. Vous vous êtes rendu compte qu'au Cameroun, par exemple, il y a quelqu'un comme Cléda, qui a mis en place un médicament et qui a sauvé beaucoup de personnes. Et donc, j'ai l'intime conviction que derrière leur histoire de Covid-19 se cache un autre vaste complot. Et d'ailleurs, nous ne sommes plus seuls à le dire. Si vous avez suivi la télé hier, tous les Londoniens étaient dans la rue pour dire qu'ils ne veulent plus entendre des mesures restrictives. Et d'ailleurs, ils étaient
ils étaient groupés par millions et personne ne portait un seul masque. Parce qu'ils comprennent aussi le banditisme et l'escroquerie internationale qui a derrière cette histoire. Il s'agit de ça, c'est du banditisme. Même si ça existe, et je crois que ça existe, mais ça n'a pas la charge virale qu'on lui prête, ça n'a pas la dimension qu'on lui prête. Ils savent ce qu'ils ont concocté, ils savent ce qu'ils ont mis, n'est-ce pas, sur pied, mais ça n'a pas la charge virale qu'on lui prête, parce que si une maladie avait la charge virale qu'on lui prêtait, il ne me souvient pas qu'on nous a dit que toute une communauté a été décimée, parce que les maladies à charge virale importante, comme la grippe espagnole, comme la peste, nous savons que ça a décimé des communautés entières, des villages entiers, des familles entières, c'est-à-dire père, mère, enfant, qu'on me dise, même en Occident, même en Italie, où cela a été très sévère, est-ce qu'on nous a montré toute une famille, toute une communauté qui a été entièrement décimée? Et comprend. Donc, ça n'a pas la charge virale qu'on lui prête, je suis désolé, derrière toute cette histoire, il y a une escroquerie, il y a un banditisme qui se met en place. Albert Anatole ici, jusqu'à preuve de contraire, vous avez suivi d'ailleurs Edmond Kuate, patient parfum d'homme, en tout cas pour eux, jusqu'à preuve de contraire, on pourrait penser justement qu'il y a un autre complot derrière. Quand l'OMS prend l'initiative de faire une conférence de presse, c'était jeudi dernier, on a l'impression qu'ils n'ont pas, disons, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient sur le continent africain. Enfin, le résultat est escompté. Oui, disons, ils l'ont pas eu. Disons, la première chose que les responsables de l'OMS devraient faire. Oui. S'ils sont bien constitués moralement, c'était d'abord de présenter des plates excuses au continent africain et aux Africains. Parce que lorsque vous suivez les différentes communications qui ont été faites par les responsables de cette organisation, justement, ça avait pour objectif de créer une psychose collective et générale, oui, au sein des populations africaines. De manière particulière, et surtout au sein des autres pays du tiers, des populations des autres des pays du tiers monde en général. Donc, ils devaient commencer par présenter leurs plates excuses. Pourquoi le continent africain intéresse tant justement ces responsables de l'OMS? Certains vont peut-être me dire que c'est parce que le directeur de cette organisation-là est d'origine africaine. Tedros Ghebreyesus. Je ne pense pas que ce soit la raison. Oui. Il resitue un peu la situation dans son contexte, notamment qui intervient dans un contexte où la plupart des pays africains ont un déficit d'infrastructures sanitaires. Mais, sauf que sur le continent africain est encore des arbres. Tout à l'heure, le patient l'a dit abondamment. Nous avons un environnement qui est très agressif, pas aseptisé. Ouais. Donc forcément, il y a ce qu'on appelle les immunités collectives ou individuelles qui sont justement... qui se peuvent s'établir entre les individus. Deuxième chose, les populations se sont organisées. Elles ont été résilientes. Elles se sont organisées. Au Cameroun, nous avons vu, beaucoup justement sont partis à la pharmacopée. À la pharmacopée traditionnelle pour aller chercher les efforts. Souvenez-vous, c'est que les Européens n'ont pas la même perception de la maladie que les Africains. Parce que chez les Européens, ou les Occidentaux d'une manière générale, le traitement que vous prenez, en tout cas un médicament que vous prenez peut vous créer encore d'autres problèmes. Donc en fait, ils ne guérissent pas, ils soignent. Oui. Ça fait donc une différence. La seconde chose, c'est quoi? C'est que ils sont dans un environnement où, même lorsque c'est le moustique qui vous pique, il faut aller rapidement aller chercher le médecin. Il faut rapidement voir un médecin parce que le moustique vous a piqué. Dans le contexte africain, ce n'est pas la même chose. La deuxième chose que je voudrais dire, et ça c'est important, c'est quoi? C'est que les pays africains se sont barricadés pour s'organiser. Parce que, tout à l'heure, le patient l'indiquait, dans beaucoup de pays africains, il y a des recherches qui sont faites sur, au niveau de la pharmacopée traditionnelle. Je voulais vous rassurer que dans le cas du Cameroun, par exemple, il existe désormais une faculté de biomédicale du côté de l'université de Douala. Donc, je crois qu'ils ont désormais intégré, n'est-ce pas, la pharmacopée traditionnelle dans la pratique médicale. La pharmacie naturelle. Voilà. Donc, c'est, donc je peux vous rassurer ce côté. Il faut bien préciser. Donc, je pense qu'il faut être rassuré de ce côté. Donc, maintenant, pour revenir à l'essentiel, justement, pourquoi est-ce que les responsables de l'OMS
s'acharne sur le continent africain pour comprendre pourquoi est-ce que il n'y a pas eu l'hécatombe annoncée. Ils n'ont pas été les seuls. Nous avons vu dans d'autres chaînes de télévision hexagonales des fêlés, justement, ils racontent n'importe quoi sur le continent africain, sur les Africains, et annoncer la même hécatombe. Ça veut donc dire que ces gens, ils parlent de l'Afrique qu'ils ne connaissent pas. Même s'il est africain, je parle de l'Éthiopien qui siège comme DG de l'OMS. Oui. Il est africain, il est peut-être africain d'origine, mais il n'est pas africain dans sa culture. Ils ne connaissent pas l'Afrique. Et ça me pose un problème parce que vous avez donc des individus qui vous parlent d'un continent qu'ils ne connaissent pas. Et vous parlez d'un peuple qu'ils ne connaissent pas. Et ça pose un problème. Par contre, je voudrais à mon avantage récupérer cette situation pour justement demander aux Africains, notamment à nos dirigeants, que lorsque vous avez des individus qui vous annoncent des mauvaises nouvelles, ça pose un problème. Quelqu'un qui vous aime ne peut pas vous annoncer de manière rébarbative des mauvaises nouvelles. Non, ça pose un problème. Ça veut dire que derrière, justement, il y a la théorie du complot derrière. Non, absolument. Attendez, lorsque vous avez quelqu'un, si quelqu'un a besoin de votre santé, que vous soyez en bonne santé, que vous soyez bien dans votre tête, oui, il va tout faire pour vous annoncer de bonnes nouvelles, pas de mauvaises. Mm-hmm. Je pense que nous sommes d'accord. Non. Nous sommes d'accord, ne vous inquiétez pas. Donc, je pense donc que lorsque quelqu'un prend régulièrement sur lui de vous annoncer que des mauvaises nouvelles, il faut faire très attention. De dire de vous de mauvaises choses d'ailleurs. Hein. Je ne dis pas des très mauvaises nouvelles. Il faut faire très attention. Oui. C'est même les gens à éviter. Et moi, ça me pose un problème parce que là, je rejoins Edmond pour lui faire comprendre qu'en fait, c'est les Africains qui devraient justement engager cette rupture et se poser des bonnes questions. J'ai eu l'habitude de le dire dans le cadre de cette tribune que le Covid-19 devrait être une occasion pour le continent africain, en tout cas d'une manière générale pour les Africains, de s'organiser, de faire une révolution, d'engager une révolution. Parce que lorsqu'il y a eu fermeture des frontières maritimes, aériennes et terrestres, je pense que ce n'était pas les Africains qui ont demandé leur réouverture, qui ont fait pression pour leur réouverture, non. Ce sont les autres qui ont fait pression pour qu'il y ait la réouverture des frontières africaines. Et aujourd'hui, en France, par exemple, l'opinion est divisée. Il y en a qui ne veulent plus être reconfinés. Ah oui. Vous avez des Occidentaux qui viennent sur le continent africain et qui n'ont plus envie de repartir chez eux. Ça veut dire que là, la peur en train de changer de camp. Il faut donc faire très attention parce que pendant que chez nous, vous avez environ 1 million de décès. Chez vous, il y a des millions de décès. Et ils sont encore en train de reconfiner. Ici, il n'y a que 35 000 décès, il faut bien préciser. Sur le continent africain. Sur le continent africain. Tout le continent africain, 35 000 décès. Voilà. Donc, moi, je pense donc. Chez eux, c'est. Des millions. Des millions. Ouais, alors, bien, ça pose donc un problème. Il faut donc faire très attention. Que maintenant qu'il y a eu la réouverture des frontières maritimes, terrestres, aériennes, il faut donc rester vigilant. Mmh. Et surtout avec cette histoire de vaccin qui ressurgit dans un contexte nécessaire. On l'a dit ici, pas de vaccin, on insiste encore. Oui, il faut faire très attention. Donc, je pense que. Pour répondre à la question que pose la thématique, que nous suscite, n'est-ce pas, la thématique du jour, je pense que les Africains ont été habitués à des coups durs et ils se sont organisés de telle sorte que même leur organisme a développé, n'est-ce pas, des immunités naturelles. Merci beaucoup, Albert Anatole. Ici, on vous comprend parfaitement. On est Yvonne Ndembe, vous également, vous êtes d'accord que derrière, il y a toujours un grand complot. Oui. Par contre, je vais aborder la question sous un angle qui n'a pas été touché par mes co-panélistes. Allez-y. Qui, faut-il le dire, ont été chacun éloquent et très profond dans ce qu'il a dit. Je crois que les Occidentaux ne se rendent pas compte que pour qu'une civilisation disparaisse, il faut que Dieu le décide. Quand tu prends la décision, quand tu prendrais la décision de décimer un peuple, rassure-toi que Dieu est de ton côté et que tu l'as consulté dans le secret et qu'il est d'accord pour que ce peuple-là disparaisse. Ils nous ont apporté la Bible, nous l'avons adoptée, n'est-ce pas? Fort opportunément, c'est dans cette Bible que nous voyons que chaque civilisation qui a disparu, c'est Dieu qui l'avait accepté ou qui l'avait demandé. Et donc aujourd'hui, la question que je suis en droit de me poser est celle de savoir, est-ce que quelque part dans cette Bible-là, il y a des mentions qui font état du fait que un jour,
on peut décider de décimer 60% de la population mondiale? Je pense que non. Quand Daniel fait ses visions, Daniel voit que Babylone va disparaître. Et justement, Babylone va disparaître. Daniel fait toujours dans sa vision, il voit que l'Empire Mède et Perse va disparaître. Et l'Empire Mède et Perse a disparu d'après la vision de Daniel. Et par la suite, c'est la Grèce et c'est l'Empire romain. Et il voit 10 petits États qui émergent et qui devront vivre jusqu'à la fin des temps. Il en est ainsi aujourd'hui. Je pense que ce regard-là nous permet de nous dire que qu'importe le complot qui sera ourdi contre l'Afrique, l'Afrique survivra toujours et restera debout jusqu'à la fin de l'histoire mondiale si on s'en tient à la Bible qu'ils ont eu la bonté de nous apporter. Et donc, ce que je m'en vais dire, c'est que c'est bien triste ce qui arrive. Parce que les gens n'ont pas compris qu'en apportant la Bible à un peuple qui avait déjà la foi, ils venaient renforcer la foi. Et la foi aide certainement dans la lutte contre les maladies. Je ne sais pas si on a conscience de cela. Vous allez voir quelqu'un qui va vous dire « je m'en fous du Covid-19 » qui se balade sans cache-nez toute la vie et qui ne tombera jamais malade. Et vous allez en voir un qui va mettre tous les masques, tous les cache-nez et qui va tomber malade justement. Et là, la différence entre les deux, c'est que l'un est dans cet esprit « je m'en foutiste » et ça aide beaucoup dans la lutte contre les maladies. Je le pense certainement. Donc, on ne cherche pas les raisons pour lesquelles l'Afrique a pu survivre au Covid-19. Ces raisons sont quelque part aussi, à la fois dans la pharmacie naturelle, telle que vous l'avez dit, mais aussi dans la très grande foi qui est celle des Africains. Voilà, des peuples africains. Voilà. Et donc, cela va se poursuivre. Et aussi longtemps que... déjà, il faut le rappeler, avec les progrès scientifiques et techniques, les Occidentaux ont trouvé une place à Dieu dans les oubliettes. Voilà. Ils ont classé Dieu, ils ont fait confiance aux progrès scientifiques et techniques. Sauf que les progrès scientifiques et techniques, la médecine et même la science ne peuvent pas expliquer tout dans la vie. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas et qui ne s'expliqueraient que par la foi. Et ça, je le pense sincèrement. Donc, ne cherchons pas, la raison, elle est profonde, elle est dans notre pharmacie naturelle, elle est aussi dans la foi que les Africains ont en Dieu. Et bien entendu, si le Covid-19 s'était installé comme on a pu le penser au départ, personne n'aurait survécu. On vous a compris parfaitement, vous nous avez ramené à Dieu. On vous comprend parfaitement. Patient parfait, donc on a un autre complot quand même contre les Africains. Quand on parle de la pharmacie naturelle, comme le déclarait d'ailleurs Edmond Kuat il y a encore quelques instants, on va se retrouver que vous avez parlé du bois tout à l'heure. On est en train de décimer justement les forêts. Si à temps soit peu, on veut croire justement à cette pharmacie naturelle, n'est-ce pas le temps aujourd'hui de préserver justement ces forêts? Malheureusement, c'est le contraire que nous constatons. Nous sommes face à des bien-pensants qui dirigent le monde actuel, qui énoncent des concepts, qui font beaucoup de boucans, oui. Ils font des conférences COP21, COP machin, mais qui, dans la pratique, fonctionnent justement pour ne pas donner la possibilité à leur résolution de prendre corps. Comment on peut faire des conférences sur le climat? Comment on peut faire des conférences sur l'environnement? Comme ce fut le cas à Rio et les forêts. Mais au même moment, on a encore de grosses sociétés occidentales qui financent, n'est-ce pas, la destruction de ces poumons de notre planète. Tout simplement parce qu'ils veulent avoir du bois tropical qui est une construction de bois de valeur. Mais eux, ils savent pourquoi. Il y a des gens qui savent, qui vont te dire qu'il faut que j'ai mon truc en lambris avec telle essence tropicale parce qu'avec ça, les ondes, ceci ou cela, vont donner beaucoup de santé à ma famille. Peut-être c'est nous qui ne le savons pas. Oui. Mais elles le savent. C'est pour ça qu'ils veulent tout prendre. Prendre ces trucs qui sont vraiment... C'est de l'or que nous avons. Nous avons des essences qui sont dans nos forêts depuis pratiquement presque 500 000 ans. Eux, ils vont les prendre. Vous allez les couper. Vous allez les amener chez eux. Parce que vous ne débitez même pas ici chez nous. Ils prennent tout. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Il y a des essences, vous faites votre lit,
n'est-ce pas, avec cette essence-là, les histoires des sorciers, comme on dit vulgairement, les ondes négatives ne peuvent pas vous atteindre. C'est vrai. Nous ne vous atteindrons jamais. Donc, quand ces gens-là posent cette question, l'autre question, parce que comme disent les Chinois, quand vous êtes avec un Chinois et que vous faites un exposé, il ne s'occupe pas de ce que vous avez dit, mais il s'occupe de ce que vous n'avez pas évoqué. On peut donc validement se poser la question. Est-ce que ces gens-là, se posant cette question, ne sont pas en train de dire, mais au fait, comme on a déjà l'autre bombe qu'on a préparée là, il faut qu'on puisse savoir en quoi constitue le bouclier de ces gens-là avec la première bombe qu'on a balancée et qui n'a pas marché. D'où je rejoins Anatole. Vous savez que le fameux vol de Air France là, qui a été le point d'incubation majeur, n'est-ce pas, et de départ de cette ici dans la ville de Douala. Oui. Les gens vont recommencer à venir là. Il faut que notre gouvernement soit strict sur les conditions, n'est-ce pas, de prévention par rapport à cette affaire là. Je dis bien strict. Si le fameux vol de Air France là n'avait pas eu la légèreté qu'elle a eue, je pense que le Cameroun, par rapport même au nombre de décès, aurait eu un taux relativement... Pour ajouter de l'eau dans votre vin, parfait. Mm-hmm. Malheureusement, les autorités camerounaises ne sont pas très rigoureuses là-dessus, parce que je constate avec dépit que vous avez des passagers qui viennent justement de ce côté-là, qu'on va chercher au bas de la passerelle et qui ne suivent pas le couloir sanitaire qui a été mis en place. Mais non, ça, il faut exclure ça. Ah ouais. Il faut exclure ça. Il s'agit de la santé, n'est-ce pas, de toute notre communauté. Un individu ne peut pas être un porteur qui va venir complètement déstructurer complètement le semblant de calme sur le plan sanitaire que nous avons aujourd'hui. Donc je pense que notre État doit être très rigoureux et intransigeant sur ces questions. Deuxièmement, et ça j'en viens à mon frère et camarade qui a tout à l'heure a parlé de la foi. Si, tout le monde la foi, les Africains en premier. Mais il faut qu'on fasse attention. Nous sommes dans un monde où la foi seule ne suffit pas. On voit comment depuis plus de 2000 ans, depuis que ce message de Christ est arrivé, qui prêche l'amour, comment on voit que l'amour, elle seule, ne suffit pas. N'oublions pas que dans ce monde, dans cette planète, il y avait quand même des peuples qui ont existé. Je peux prendre ces Indiens d'Amérique, qu'on appelle Indiens, mais qui sont les véritables Américains. Ils ont été décimés, hein. Il y a des peuples qui ont disparu complètement. Est-ce que vous allez me dire que c'est la volonté de Dieu? Je dis bien disparu. On les a massacrés. Ils n'ont pas disparu que c'est de manière naturelle. On les a tués. On a éliminé. On a éliminé. Les histoires des Hispaniques qui sont allés aux Amériques là, pour avoir de l'or là, c'était un génocide. Bon, d'abord pour les Américains, la date de 1492. Pour eux, c'est la catastrophe, c'est-à-dire que le moment où leur peuple sont rentrés en contact avec l'homme blanc, pour eux, c'est l'année la plus, comme disent les Arabes, c'est la Nakba pour eux. Parce qu'avec ce contact-là, un programme bien défini d'éradiquer complètement ces peuples. Quel est le peuple d'ailleurs même qui n'a pas souffert au contact non, du blanc? Non, mais on parle de nous les Noirs. Nous les Noirs, on a résisté. Hein? Les Indiens, ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas pu. Bon, c'est toi que je te parle de la mélanine, là. On ne sait pas très bien ce que... Même les scientifiques n'ont pas encore pu bien nous dire ce que c'est cette mélanine. Mais apparemment, elle regorge des choses que même les Blancs ne s'imaginent pas. Même ceux qui font les recherches sur le plan mystique, là, dans leurs ordres ésotériques, là, la peau noire, c'est quelque chose de très compliqué. Je ne veux pas le développer ici, maintenant. Mais soit en train de dire qu'il faut faire attention. En se disant que oui, comme on a la foi, comme on a... Non. Les autres ont des programmes pour éradiquer des peuples. Et l'histoire nous le démontre. Ça s'est déjà passé. Vous imaginez? Les gens sont allés jusqu'à contaminer les couvertures qu'ils donnaient aux Indiens pour se couvrir de maladies comme le choléra, comme toutes les pestes, etc., etc. Ces gens-là ne rigolent pas. Donc, nous devons prendre nos responsabilités, mieux nous organiser. Quand je parle de l'unité politique de notre continent, ce n'est pas un truc comme ça que j'avoue en l'air. Je dis que c'est le prérequis pour qu'on puisse constituer et construire un bouclier sur tous les points. Parce que maintenant, tout va dépendre de nous, on va plus dépendre de quelqu'un pour pouvoir continuer de résister. Le monde va évoluer. Les gens créent des armes aujourd'hui que personne ne s'imagine. Et nous, les Africains, nous sommes hors jeu.
Du point de la science, on ne sait pas quel type d'armement eux sont en train de créer. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on prenne notre destin en main. Il faut qu'on prenne notre sécurité en main sur tous les plans, surtout sur ce plan-là. Donc, pour moi, la question que se pose l'OMS est de savoir. Mais ces gars-là, ils ont résisté à cette première bombe qu'on leur a balancée. Mon frère, il faut qu'on comprenne pourquoi. Justement. Donc, il faut qu'on cherche le tendon d'Achille parce que certainement, il y a une seconde bombe qui est déjà dans les laboratoires et qui s'apprête à balancer une fois de plus. Mais si les mêmes causes ne sont pas produites, les mêmes effets, ils auront échoué. Parce que c'est des projets où on dépense des centaines et des centaines de milliards. Tout à l'heure, il a parlé de la fondation Bill et Melinda Gates. Cette histoire des puces électroniques qu'on va introduire dans le corps des gens, ce n'est pas de la fiction. Hein. Ça existe déjà. Hein. C'est déjà préparé. Oui, il y a des gens qui le font déjà. Oui. Bon, mais si nous avons des états comme nous les acquises, comme ce que nous avons là, qui appliquent de manière mécanique les recommandations, soit de l'OMS, soit de l'ONU, soit de X, sans pouvoir les évaluer, sans pouvoir évaluer la portée et l'efficacité de ces solutions-là, effectivement, nous ne serons pas à l'abri de ce qui peut arriver demain. Edmond Kuaté, vous avez suivi d'ailleurs Patient Parfum d'Homme, je vais vous poser la question. N'est-ce pas un danger aujourd'hui d'ouvrir justement les frontières? Et justement, je parle bien sûr des frontières aériennes, parce que c'est par là qu'est arrivé justement le coronavirus sur le continent. N'est-ce pas également un autre danger qui plane sur nous si un temps soit peu un autre coronavirus est fabriqué justement pour détruire et décimer les Africains? A-t-on le choix? Peut-on faire autrement? C'est justement la question. Non, on n'a pas le choix. De telles questions se posent lorsqu'on a une autre alternative. Oui. Mais nous n'en avons pas. Oui. Nous savons que, surtout pour l'Afrique francophone, peut-être d'autres pays en Afrique sont mieux organisés et plus structurés, mais pour l'Afrique francophone, nous n'avons pas le choix. Vous avez vu ce qui s'est passé au Nigeria, par exemple, lorsque la France s'est permise de maltraiter un peu les citoyens nigériens, les ressortissants nigériens. Mais tout de suite, l'autorité civile aéronautique nigérienne a décidé d'interdire les vols Air France sur son territoire. Et c'est Air France. Et maintenant, la France, à travers ses diplomates qui supplient, qui écrivent des lettres, qui... C'est ça un État. Tu trouves cela possible dans un espace francophone, toi? Tu imagines, tu imagines une autorité camerounaise en train d'écrire à Air France pour dire « Je ne veux plus que vous atterrissiez ». Non, ce n'est pas possible. Donc, je dis, on n'a pas le choix. On doit bien laisser, malgré les dangers que cela comporte. Certes, cela comporte des dangers, cela va sans dire, parce que l'épicentre de cette maladie-là, si tant il est que ça existe, vient justement de l'Occident. Et donc, tous ceux qui viennent sont, n'est-ce pas, des dangers potentiels, n'est-ce pas, de prolifération de cette maladie-là. Mais je voudrais revenir sur un certain nombre de choses. Anatole Haïssi a dit que cette maladie, ou alors cette pandémie, était une occasion de révolution africaine. Moi, oui. Je dirais... C'était une occasion de refondation et de redéfinition des paradigmes en Afrique, au sens large du terme. Parce que les Chinois disent que derrière chaque crise... C'est une révolution, ça. Voilà. Que derrière chaque crise, il y a une déclinaison de double pictogramme. C'est-à-dire problème, mais surtout solution. Opportunité. Oui. Si je ne m'en tiens qu'à ce que dit le... Je vais dire les doctrines de la médecine conventionnelle, dite conventionnelle, parce que moi j'ai un problème avec les terminologies. Quand on dit conventionnel, ça veut dire que l'ensemble, n'est-ce pas, des groupes qui composent la planète se sont assis pour dire d'accord. C'est ça qui devient une convention. Et qui respecte les règles d'éthique. C'est ça une convention. Alors quand on dit médecine conventionnelle, pour vous ça ne sonne pas bien. Ça ne sonne pas bien. Bon, moderne, d'accord. Mais je vous ai demandé... Même moderne, vous n'êtes pas d'accord du tout. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que l'Afrique a connu cette médecine depuis bien longtemps. Bien sûr. C'est nous qui avons la médecine. Parce qu'on nous impose des choses et on dit c'est conventionnel. Et tantôt, on utilise des mots universels. Mais dans cet universalisme-là, ou alors dans cette universalité, quelle a été la part de l'Afrique? Quelle a été la parole de l'Afrique? Je vous ai demandé tout à l'heure.
Nous savons tous à partir de quel moment, du moins ça date de 1947, après la Deuxième Guerre mondiale, la mise en place des grandes institutions internationales, avec, n'est-ce pas, la première d'entre eux qui est l'ONU. Bon, à partir de cet instant, est-ce que vous pouvez me dire l'Africain ou le groupe d'Africains qui a été consulté pour, n'est-ce pas, et rédiger la charte fondatrice de toutes ces organisations? Je n'en connais pas. Si vous en connaissez, dites-moi. Donc, à partir de ce moment, j'ai un problème avec ce que vous appelez conventionnel. Donc, j'étais en train de vous dire que leur médecine à eux, les concepts de leur médecine disent que quand il y a une pandémie, la guérison est soumise à un protocole. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui quel est le protocole qui a été conventionnellement arrêté pour éradiquer le Covid? Ça a disparu comment? Parce qu'on sait quand même aujourd'hui que les dégâts ont été jugulés. Du moins, on n'entend plus. Oui, atténués. Je veux dire, on n'entend plus les milliers de morts. En Italie, on disait 1000 morts par jour. En France, on disait 200 morts par jour. Même s'il y a quand même une résurgence du côté du Canada, voilà. En France également. Voilà, en France également. Il y a une seconde vague, justement. Alors, est-ce qu'on nous a dit aujourd'hui, comment est-ce que... Parce qu'on nous parle des guérisons. Même au Cameroun, on dit guérison. Il y a eu 10 000 cas avec 8 000 cas guéris et 2 000 décès. Bon, maintenant, les 8 000 cas guéris, c'est quoi le protocole? C'est la question que j'ai envie de poser et que personne n'arrive jusqu'ici à me répondre. C'est quoi le protocole qui arrive à la guérison? Parce qu'on sait au moins ce que dans ce protocole, ils ont ce qu'ils appellent la randomisation. C'est-à-dire qu'on a testé ça sur plusieurs personnes et que le pourcentage, n'est-ce pas, de ceux qui ont répondu favorablement à cette méthode-là permet de mettre en, est très élevé et permet de mettre en place ce qu'on appelle le protocole. Quel a été ce protocole? Personne ne me répond à cette question. Et là, je reviens donc sur nous les Africains. Pourquoi est-ce que nous manquons toujours des occasions pour mettre en place une refondation? Se poser la question, je vais me limiter à une échelle bien réduite qui est le Cameroun. Est-ce que vous avez souvenance que dans cette histoire, vous avez un rapport des virologues camerounais? Je n'ai pas l'impression. Est-ce que vous avez un rapport des immunologues camerounais? Pourtant, il y en a. Chaque fois, parfois, j'ai l'occasion de voir professeur en ceci, professeur en cela, professeur. Est-ce que vous avez les rapports des virologues, des pneumologues, des immunologues camerounais pour dire voilà ce que nous avons, voilà l'étude que nous avons faite, voilà les recherches que nous avons faites. Au moins, j'avais dit la science, je ne suis pas médecin, je n'ai pas la prétention d'en avoir, de maîtriser les canons de cette science-là, mais je suis aussi un homme de science quand même. Et donc, parfois, l'épistémologie peut avoir des convergences. Et donc, moi, j'ai dit, pour une maladie comme celle-là, pour une épidémie comme celle-là, on dit au Cameroun qu'il y a eu 16 000 cas avec 14 000 cas de guérison. Je souhaiterais au moins qu'il y ait un tableau de catégorisation pour dire, suivant les couches sociales, voilà de 0 à X âge. Voilà ceux qui sont les plus exposés. Voilà de X âge à X âge. Voilà ceux qui sont les moins exposés. Une étude épidémiologique. Une étude épidémiologique qui nous permet de savoir quelle est la couche qui est la plus exposée et avec quelles conditions. Parce qu'il peut. On nous a dit qu'ils sont les vieux. Hein. Bon, mais sauf les que. Les plus âgés. Sauf que c'est une déduction. Ce n'est pas une étude méthodique qui permet de dire que les plus âgés, parce que même les plus âgés, il y en a qui présentent, qui sont âgés, mais qui ne présentent pas, n'est-ce pas, certaines comorbidités, parce que les plus âgés, ce sont ceux qui ont les comorbidités, et même ceux qui sont morts à un certain âge plus jeune, c'est également ceux qui ont des comorbidités, c'est-à-dire ceux qui avaient déjà des pneumonies, qui avaient déjà des problèmes de diabète, des problèmes de ceci, des problèmes de cela. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a de manière méthodique une étude épidémiologique menée au Cameroun avec les professeurs camerounais, avec, n'est-ce pas, le collège médical camerounais pour nous dire voilà ce qui en est, voilà la profondeur de cette histoire, voilà les couches les plus exposées, voilà les couches qu'il, si jamais il y a encore une menace, voilà ce qu'il faut confiner, voilà ce qu'il ne faut pas exposer, voilà, ça n'existe pas. Et donc, moi je me demande, lorsqu'on parle de la classe intellectuelle au sens large du terme, c'est-à-dire dans chaque domaine de manière sectorielle, pour si nous sommes dans le cas médical, en quoi est-ce qu'ils nous aident vraiment? Parce que, in fine, on tourne toujours le regard pour attendre ce que l'OMS va dire. Quelles sont les injonctions de l'OMS?
Pourquoi est-ce que chez nous, il n'y a pas des gens, il n'y a pas un collège qui s'assoit pour prendre la chose à bras le corps, mener une étude, faire des recherches et nous dire qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi est-ce qu'on attend toujours les injonctions de l'OMS, les instructions de l'OMS? Parce qu'il me semble que les recherches que les autres mènent obéissent, c'est des recherches qui sont faites sur la base, n'est-ce pas, de leur réalité à eux. Un chercheur qui va mener l'étude sur la grippe, je vais dire en France ou à Londres ou en Allemagne, n'attendez pas que ce soit là le même comportement, n'est-ce pas, grippal qui se fasse en Afrique, au Cameroun ou au Zaïre, pardon, ou en RDC. Et donc, moi, mon problème, c'est de dire, il faudrait que les Africains cessent d'être des dépotoirs de la pensée résiduelle des autres. Il faudrait que nous puissions définir des substratums propres à nous et qui tiennent compte de nos réalités propres à nous, de notre environnement, de notre anthropologie, et bref, de tout ce qui compose notre société au sens profond du terme. C'est de ça dont il est question. Il faut qu'on arrête de démissionner. Vous me permettrez de conclure pour dire, effectivement, dans le rapport, et là je reviens donc à la thèse complotiste, donc je suis parti parce que je suis complotiste, dans le rapport de la CIA, il est bien dit que la première phase de cette maladie va commencer et disparaître sans que personne ne dise. C'est bien écrit noir sur blanc que ça va commencer, mais ça mettra un temps et ça disparaîtra. Ça reviendra sous une forme plus sévère et les dégâts cette fois seront énormes. Et donc, patient pour dire que la première bombe qui a été lâchée, effectivement, n'a pas eu d'effet. Mais jusqu'aujourd'hui, les Africains eux-mêmes ne sont pas capables de s'asseoir pour dire voilà le bouclier qui nous a protégés, comment est-ce que nous le renforçons pour essayer d'anticiper sur les dégâts plus énormes qui seraient susceptibles de venir. Je dis bien dans ce rapport, il est dit que cette maladie va disparaître et qu'elle va revenir sous une forme plus sévère. Donc pour dire que quoi? Nous les complotistes, nous pensons que la phase 2 de cette bombe, cette fois-là, ça va s'appeler Strascov, certainement 3. La phase 2 oui. est en préparation au laboratoire. Et lorsqu'ils vont lancer, je crains que nous n'ayons pas, n'est-ce pas, le même bouclier pour nous protéger. Parce que cette fois-ci, ils auront pris la peine d'étudier, de détruire, n'est-ce pas, dans ses fondements, la structure. Bouclier, la structure de notre bouclier. Oui. Et je crains, n'est-ce pas, de ce qui pourrait le pire, arriver. On vous comprend parfaitement, messieurs, plus que 13 minutes pour sortir de cette édition. Permettez-moi de lire quelques messages. Bonjour Steve, je suis à 100% d'avis avec tous les panélistes. Dans le complot élaboré, le Covid-19 n'est que le début de leur programme. Et quand le résultat est et sera toujours négatif, ils se posent des questions sur la médecine naturelle qu'ils ont toujours ignorées. C'est pour mieux ajuster la suite de leur programme de décimer l'Afrique. C'est le moment de faire la promotion de notre médecine naturelle. C'est justement Max depuis le Togo. On va continuer justement avec les messages. Bonjour le panel, le copanéliste qui parle de Dieu a parfaitement raison. Tout ce qui se passe actuellement a été prophétisé. Ce sont les signes de la fin des temps. Bientôt, tous ces gens qui tuent seront jetés avec leur patron, le diable, dans la fournaise de feu ardent pendant 1000 ans par le fils de l'homme. C'est Monsieur Moulium Emmanuel Denis de Bomono, Bambengue, Douala au Cameroun. Bonne journée. Bonne journée également à vous. Bonjour DBS, la matinale. C'est Thompson et André Pumedi, fidèle téléspectateur. Pour ma réaction sur cette thématique, je dirais que les Occidentaux changent de logiciel. Le Covid-19, peu importe la notation numérique qu'ils vont attribuer à ce Covid, qu'il soit même Covid-50 ou encore Covid-1000, ceci ne touchera pas les Africains. Ils cherchent maintenant comment fragiliser notre système immunitaire en voulant nous imposer des vaccins. Que se disent ces impérialistes dans le Conseil de sécurité où les Africains ne sont pas là? C'est là le départ du complot pour exterminer l'Afrique parce que les Africains sont en train d'ouvrir les yeux et le panafricanisme est en train de gagner du terrain. Ce n'est pas pour rien que l'Afrique est le réservoir des richesses et le berceau de l'humanité. Les richesses, ce ne sont pas les devises qu'ils impriment pour nous piller nos matières premières. La richesse est matérielle et l'Afrique a cette richesse. C'est la bénédiction divine et Dieu. Et au-dessus de tout, l'OMS ne comprendra jamais la force de résistance de l'Afrique face à leur conspiration contre l'Afrique. L'Afrique est donc un mystère. Je m'excuse pour les redondances. L'Éternel des armées a béni. L'Afrique, vous aussi, le plateau, soyez bénis. Thompson et Rand depuis Bédi, c'est ici à Douala.
là. Bonjour DBS, c'est le panel, s'il vous plaît. Bonjour le panel, Steve, s'il vous plaît. Steve, tout ce que vous dites sur le plateau, si ce n'est pas de l'impérialisme, si oui, je vais vous envoyer un petit test. Kumu, papa depuis le Togo. En tout cas, pour lui, c'est toujours de l'impérialisme. Bonjour Dibia, c'est Latifou Mola depuis Sokodé au Togo. Courage à vous. Que Dieu vous accompagne dans tous vos projets pour bien-être, pour le bien-être de l'Afrique, à mon avis. Nous, Africains, devrons plutôt travailler à créer une organisation de la santé version africaine, car ces Occidentaux ce ne mouilleront jamais leur maillot pour les Africains. Ils ne nous aiment pas. Et ils ne nous aimeront jamais de la vie. Nous devons mettre en place tout ce qu'il nous faut nous-mêmes sans les attendre. À chaque fois qu'ils font des études nous concernant, nous devons nous-mêmes refaire ces mêmes études par nous-mêmes et pour nous-mêmes. L'Afrique a tout et eux, ils le savent très très bien. Alors faisons gaffe, ils n'en ont pas fini avec nous. Merci, bonne suite des programmes et surtout bonne journée, nous dit d'ailleurs Latifou Moula depuis Sokodé, c'est du côté du Togo. Et d'ailleurs, il faut dire que Kumu Papa nous a envoyé justement une vidéo pour nous faire comprendre que tout ce qui se fait sur le continent africain, eh bien, c'est justement de l'impérialisme, c'est toujours un complot. Il déclare d'ailleurs qu'il est un complotiste, il vient de m'envoyer la vidéo pour me faire comprendre que lui, il est un complotiste, il sait ce qui se passe sur le continent africain. Pour Priso sur Facebook, oh ce Dieu avec les Noirs, c'est triste donc, dit Dieu a voulu la disparition des Indiens. Bon, je pense que c'est à vous qu'il s'adressait d'ailleurs, Paul Pizoguizon. Si nous restons là à penser que Dieu viendra nous sauver, nous mourrons tous. La Corée du Nord est un exemple à suivre pour le bien du Cameroun et de l'Afrique en général. Peter Aron, tous ces débats stériles, non, on n'est pas avec vous. Vous mettez à côté ce qui est une réalité, ça veut dire nos gouvernants corrompus. C'est eux la cause et non les Occidentaux. Marianne Gopondi déclare, protégeons nos forts, c'est notre salut sanitaire. Et Koum Patrick regarde toujours avec nous, il est avec nous d'ailleurs ce matin. Maël Koum Maël, Air France avait mis les billets à 150 euros en période de Covid-19. Il vous donne d'ailleurs cette information, que le billet pour arriver d'ailleurs sur le continent africain était à 150 euros. Voilà pourquoi d'ailleurs ils ont ouvert, il faut le dire, l'occasion en tout cas de revenir sur le continent africain. Bonjour l'Afrique, les panafricains, les panélistes. Bonne journée de lundi à vous. C'est Bernard Dimundu. Coaches Koglaye nous dit, monsieur Parfendom, aujourd'hui, vous étiez limpide. Bon, on vous dit que vous étiez limpide aujourd'hui. Je sais pas si parfois vous n'êtes pas souvent limpide. Hector Achille Mengue, Parfendom, il vous fait un grand coucou pour dire que vous c'est super bien. Stéphane Soudivan de Nana, bonjour Divier ce matin. Hans Penga, une émission sur le Gabon. Oui, ah, oui. Vous incitez vous également. Parce qu'il y a les gars du Togo, il y a ceux du Gabon maintenant qui reviennent pour parler. Non, mais je suis d'accord fasse des émissions et sur le Togo et sur le Gabon. On aura le temps. C'est très important. C'est très important. Bernard Dimundu, nous l'Africain, distrait dans tous les domaines. Il est naïf et amnésique de son histoire. Donc nous devons faire gaffe. Hector Achille Mengenu dit, nous sommes en guerre. N'ayez pas peur des mots. Edmond Kati, c'est à vous qu'on s'adresse. Nous sommes en guerre. Ben ouais. Bon, il faut pas avoir peur des mots. J.S. Morkan nous dit, on a toujours le choix. On insiste d'ailleurs sur le côté là. On n'a pas le choix. Oui, on a le choix. Bon, c'est Jazier qui l'a écrit. Jean-Claude Maillot dit, pas seulement les gens qui viennent, il y a aussi des marchandises et tout objet venu de France. En tout cas, les gars commencent à nous dire qu'il faut commencer à boycotter tout ce qui vient de France. L'Afrique, continent riche, suscite de gros envieux. Comment exterminer les noirs feignants et inutiles pour posséder tout le continent? Albert Anatola ici, c'est justement aujourd'hui l'objectif. D'après ceux qui nous disent que nous sommes complotistes, eh bien, il faut tuer tous les Africains pour profiter justement des richesses de l'Afrique. Écoutez, justement, il y a un intérêt qui a relevé. C'est là, j'étais justement sur le point de dire à Edmond qu'on a toujours le choix. Lorsque vous avez quelqu'un, un voisin qui veut pas de votre bien, vous avez le choix soit de qui vous tue, soit que vous survivez, soit que vous restez en vie. Donc vous avez donc le choix. Et je pense que dans le cas d'espèce, l'Afrique a le choix de, c'est-à-dire fermer les frontières, toutes les frontières. Je pense que la Chine l'a fait pendant une certaine période et les Chinois ne sont pas morts. Donc, et là, je rejoins le grand frère d'homme qui dit souvent qu'il faut une intégration politique continentale de l'Afrique. Parce que si on s'entend à ce niveau, les autres, ça peut marcher. Deuxième chose qu'il faut préciser, c'est quoi? Oui. C'est que le Covid-19, c'est à la fois une affaire politique et économique. Donc, ça veut donc dire que c'est du business.
C'est des politiques parce qu'il faut, dans la géostratégie mondiale, il faut contrôler une partie du globe. Maintenant, comme c'est une affaire économique et trop financière, il faut enrichir les ceux qui sont encore plus riches. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut donc pouvoir, à mon sens, mettre en place sur le continent africain pas des concepts, mais les véritables politiques de révolution. Aujourd'hui, j'ai quand même constaté qu'en dépit du fait que le Covid-19 sévit de l'autre côté, vous avez des dirigeants africains qui, par le vol spécial, continuent de laisser faire soigner à l'extérieur. Au lieu de développer, de construire des structures, des infrastructures sanitaires appropriées chez eux, au lieu de financer la santé, au lieu de financer la recherche fondamentale et appliquée sur le continent africain, ils ne le font pas. Donc, il faut donc justement qu'on achète par le corps, on a l'argent. Donc, vous pouvez également, ce sont nos gouvernants qui ont un gros problème justement avec les Africains. Je pense, ça, c'est important. Ils sont responsables en grande partie. Oui. En grande partie. Mais l'autre partie, vous savez, quand vous n'êtes pas de l'autre côté là, c'est difficile de connaître aussi les pressions qui sont les leurs. Mmh. Parce que ça aussi, c'est important de souligner. Parce que lorsque vous êtes de l'extérieur, vous ne pouvez pas comprendre que dès que vous arrivez au pouvoir, quand ce n'est pas Paris, c'est l'un ou l'autre qui vient vous faire des pressions pour les contrats, pour les accords. Donc, ça aussi, là c'est encore, important. On a également le choix. On a également le choix, mais attention. Parce que M. Tshisekedi de la EDC, quand il était de l'autre côté, il avait pris, n'est-ce pas, la soutane de Messi. Mais maintenant qu'il est en situation, oui, c'est notre discours qu'il en détenait. Donc il comprend que c'est plus compliqué qu'il ne pensait. Alors, je pense donc qu'il faut fermer les frontières. Vous insistez là depuis les mois. Non, on n'a pas de choix. Il faut fermer les frontières parce que l'Afrique est riche. Je ne suis pas sûr qu'on aura besoin de pouvoir de continuer d'importer ce que nous mangeons et nous exporter ce que nous mangeons, nous ne consommons pas sur place. Il y a un problème. Il y a un paradoxe, il y a un décalage. Deuxième chose que je voudrais également préciser, c'est quoi? C'est que il faut qu'on renforce le système de veille sanitaire. Tout à l'heure, j'évoquais que au Cameroun, vous avez des individus qui viennent de l'autre côté, là où la pandémie sévit encore de plus belle, qui viennent et qui ne suivent pas le couloir sanitaire qui a été mis en place dans les aéroports ou au niveau des frontières terrestres maritimes ou alors aériennes, qu'on contourne parce qu'ils ont un statut, on va les chercher au bas de la passerelle d'un avion, il y a un problème. On va se retrouver avec des bombes humaines au quartier. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont été imprudents. Donc, il faut renforcer cela. Et je le dis, ceux qui ont la responsabilité de gérer cette question-là sont informés désormais que le processus de veille sanitaire, j'allais dire le couloir sanitaire, les couloirs sanitaires qui ont été mis en place ne sont pas respectés par tout le monde. Et je suis par là. Oui, allons-y. Pour dire quoi? Pour dire que il faut une révolution. Ça, c'est important. Il ne faut pas avoir peur des mots. Et justement, il ne faut pas avoir peur des mots. Vous également, vous le dites, il y a les téléspectateurs qui le déclarent d'ailleurs qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Hein, nous sommes en guerre. Et d'ailleurs, je vais prendre également Marino Ando qui nous dit l'Afrique continent riche suscite de gros envieux. Comment exterminer les noirs feignants et inutiles pour posséder tout le continent? C'est l'objectif aujourd'hui qu'ils sont en train de faire. Parce que jusqu'à preuve du contraire, pour lui, eh bien, les noirs sont feignants. Le coût de politique économique. El Jazier nous dit que le noir n'aime pas combattre pour sa liberté. Bon, on va savoir, à ne pas ignorer. Commandant Zavan, il y a à ne pas ignorer hein, cette affaire de portefeuille. Non, oui, oh. Encore les magiciens de... Portefeuille magique. Sinon, Steve... On va sortir rapidement, on n'a plus que 3 minutes. Oui, j'ai été interpellé. Si vous me donnez 2 secondes, parce que j'ai été quand même interpellé 2 fois. Une fois par un utilisateur et l'autre fois par... Quand je dis qu'on n'a pas le choix... Là, je parle d'autorité. Oui. Je prends ma casquette d'économiste pour dire qu'en l'état actuel, nous n'avons pas le choix. On a une économie à 80% extravertie. Oui. On a un système financier à 95% extraverti. Et donc, si aujourd'hui, nous disons que nous fermons les frontières sans préparation préalable, si on le fait comme ça, tout de go, mais je dis l'hécatombe que le Covid n'a pas pu créer, c'est cette fois-là que nous allons voir ça arriver. Merci. Donc, c'était dans ce sens. Il fallait ajouter donc que nous avons donc intérêt à préparer. À préparer, c'est voilà. Donc, vous êtes d'accord qu'il faut être prudent dans les jours à venir. Prudence pour pas avoir une autre bombe, parce que là, on n'a plus qu'une minute à vous sortir cette édition. Je crois que nous devons être prudents, mais ça ne va rien nous éviter. Mmh. Voilà, en estimant que peut-être cette nouvelle bombe arrive dans 20 ans, parce qu'on on regarde l'écart entre 2002 et maintenant, c'est peut-être 20 ans,
Je pense que le temps pour se préparer est relativement court et la volonté politique n'est pas forte en l'espèce. Par contre, j'encourage les efforts comme ceux qui sont consentis en Éthiopie en ce moment où on a pris le Covid-19 comme un prétexte pour installer désormais une industrie médicale en bonne et due forme. Et donc actuellement, l'Éthiopie est en train de produire tout le matériel sanitaire possible et est en train de construire d'autres unités de production et s'apprête à exporter à travers le monde. Donc l'Éthiopie est en train de se mettre dans le rôle de la Chine et c'est quand même une situation qu'il faut apprécier. C'est une position qui n'est que louable. Et donc je pense aussi, pour revenir à quelques propos qui ont été dits ici, que l'Afrique est suffisamment infiltrée aujourd'hui pour faire bloc. Alors l'Afrique doit rentrer dans une sorte d'unité où les uns sont prêts à secourir les autres, où on partage les mêmes process, mais où chacun essaye par ses moyens d'évoluer, tant sur le plan sanitaire que sur les autres plans. Mais pour conclure, je pense pour ma part que quoi qu'on fasse, nous ne pourrons pas avoir une maîtrise de la situation. Notre retard est très grand, suffisamment grand. Mais peut-être que c'est le bon moment aujourd'hui de se lever de ce retard et commencer justement à trouver des solutions. Steve, je reviens encore pour dire que pour que l'Afrique retrouve ses repères et sa souveraineté, il faut qu'elle affronte ses peurs, notamment se mettre en embargo volontaire, fermer toutes les frontières. On va souffrir pour un petit moment, mais après l'Afrique pourra défier le monde. Thompson et Hand depuis Bédi. Mon frère Edmond, je suis complotiste comme toi. Tu es très bon Africain, comme mon papa. Depuis le Togo. C'est d'ailleurs... Il a dit qu'il est complotiste. Il ne veut pas savoir ce que les autres disent. Il le crie haut et fort. La guerre ne peut pas gagner à Genève. La guerre ne peut pas gagner à Genève. Lance docteur Jérôme Mouyangui qui évoque que la collusion d'intérêts entre instruments pharmaceutiques et l'OMS sur le marché. Le médecin estime que l'Artemisia pose un problème business, mais la santé sans pouvoir le prouver. Il soupçonne d'ailleurs l'utilisation de plantes pour déranger l'intérêt des Occidentaux. Il a été violenté et agressé du côté de Paris et d'un empoisonnement dans son propre pays. Steve, il faut valoriser notre médecine traditionnelle. Adamou depuis Maroua. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Il faut rendre hommage à ce médecin congolais qui avait réussi à démontrer que l'artémisia soignait le paludisme et que l'artémisia c'était la solution, n'est-ce pas, définitive au paludisme qui décime plus les Africains que cette histoire de Covid. Mais malheureusement, il a été persécuté par ses pairs africains. On a utilisé les autres médecins africains pour le persécuter et il a été empoisonné. C'est ce qu'on dit d'ailleurs du docteur Jérôme Mouyangui qui était justement du côté de Madagascar pour créer justement ce remède d'ailleurs contre le Covid-19. Albert Anatola ici, merci d'avoir été là ce matin. Ça fait un plaisir. Patient Parfendo, merci également d'avoir été là ce matin. Gracias. Et sans oublier Onésiphore Nembe qui était également là ce matin. Merci également d'avoir été là ce matin. Edmond Kuaté également. C'est moi qui vous dis. Merci à toute l'équipe technique, madame, monsieur. C'est ici que s'achève cette autre édition d'Olivier ce matin. C'est la première du genre de cette semaine. N'oubliez surtout pas, l'échec est une crise de conscience qui entraîne une prise de conscience et l'échec dans la vie n'est pas l'échec de la vie. Bonne journée à toutes et à tous et à demain. C'est peut-être adieu. Bonne semaine à toutes et à tous.